Hey, 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 bienvenue. En tout cas, salut tout le monde, bienvenue sur Rapside. Nous sommes en direct d'IRM.radio, en live sur Twitch. Et bien évidemment, nous sommes aussi sur C Direct, donc bang bang gang gang à tous nos amis du Congo. Ce soir, on est avec un groupe vraiment en vue en ce moment. On est très très ravis de les accueillir. Bien évidemment, je les accueille avec mon équipe. Hein. Bon, vous ne voyez pas tout le monde parce qu'aujourd'hui, là, on reçoit un groupe. Donc évidemment, on a dû ajuster la technique. Donc je suis toujours avec mon négro Carter à côté. Bang bang. Bang. Tu sais, comment ça va, Carter? Ça va, l'équipe, bien. Attends, on est là, tranquille. Bon, vous avez... Tranquillement. Bon, alors, je vais quand même annoncer hein, le groupe qu'on a avec nous. Ce soir, on est avec le groupe montant du moment. En tout cas, le groupe 13 en vue, il s'appelle MS13. Bang, bang, on fait du bruit pour eux. Petit applause. Bon, j'espère que vous avez prévenu tout le monde. Hein. Vous leur avez dit qu'on était sur Twitch, qu'on était en direct et tout ça. Comment ça va? On a fait passer le message. Bah alors, faut bien parler devant vos micros, comme ça on va bien vous entendre. Alors, comment ça va les gars? Ça va, tranquille. Tranquille. C'est votre première radio? Oui. Bon alors, détendez-vous ici, c'est tranquille. On est ensemble pendant 1h30, mais on va s'éclater. Donc, bah, je vous présente. Donc, toi, c'est Tisco. Tisco. Parle bien devant ton micro. Parle devant Tisco. Bonnet, lunettes, comme d'hab, tu connais. Ensuite, on a Tonton. Tu connais Tonton la Sécu. Tonton la Sécu. Et puis là-bas, on a. Yoro le plus beau. Oh, Yoro. En tout cas, ça fait depuis qu'il est arrivé là. Pas dire que c'est lui le plus beau. En tout cas, bah, donnez-nous vos réactions, on verra bien. Hein. Et puis, on a. Bito, salut Bito. Alors n'oubliez pas, hein, vous pouvez réagir tout au long de l'émission au 07 71 59 62 68 ou alors sur le chat direct de Twitch. Bon alors les gars, dites-moi, donc c'est les Baconnais ce soir qu'on reçoit. Ouais. Les Baconnais. Anthony, tu connais Carter? Je connais ça, très bien le secteur. En tout cas, mais bon, comment ça s'est fait MS13? Ça commence comment l'aventure? Ça c'est Euro ça. Alors Yoro, dis-nous tout, le plus beau. Déjà. Ah, ils sont timides. Ah les gars, lâchez-vous. Hein, tout le monde est focalisé sur moi. Bah c'est ça, tu passes à la télé, tu passes à... Voilà, c'est comme ça. Bah, déjà, avant tout ça, on avait un groupe. D'accord. Enfin, j'avais un groupe avec Tonton. Mm-hmm. On faisait du rap pour le plaisir. Enfin, pour montrer un peu notre quartier. D'accord. Pour faire un peu ce que les grands, ils ont fait dans notre quartier, tout ça. Enfin, il n'y avait rien de concret. D'accord. Et il y avait Tisco et Bito, ils rappaient. Eux aussi, de leur côté, ils faisaient la même chose que nous. Et un jour, je sais pas, j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit, on peut faire un groupe à quatre. D'accord. Ça veut dire qu'après, on a parlé. Lui, il m'a dit qu'il était partant. Après, on a vu Tisco, il a dit, vas-y, demande un studio. Après, d'accord. Le lendemain, on a fait Zone 1. Ah, d'accord. Ah, okay. Vous rencontrez, enfin, vous décidez de faire le groupe et dès le lendemain, vous allez au studio. Le lendemain, on a, après les cours, je me rappelle, il est venu me chercher, 17h30. J'avais écrit un texte sur mon cahier d'anglais. On a lu comme ça. En tout cas, je suis sûre que ce n'est pas le texte qu'on t'avait donné en anglais. Ce n'était pas du tout le même texte. Hein. Donc, et du coup, ils vous ont rejoint. Mais vous faisiez du rap de votre côté? Ouais. Tisco et Bito, vous faisiez du rap aussi? Ouais. D'accord. En fait, c'était deux groupes différents. Et on n'était pas ensemble. D'accord. Mais pourquoi votre groupe, il était nul à deux ou c'est comment? Non, en fait, on s'est dit. En fait, il n'y avait rien de concret. En fait, on s'est dit. On a le même âge, ça sert à quoi de se séparer? D'accord. Donc le mieux, c'est que... Bon, ça alors... veut dire, on s'est mis ensemble après direct. Et ça a pété, c'est bien. Non, franchement, ça a pété. Plaisir. En tout cas, moi, je vais vous dire comment j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler de vous par mon fils. Ah ouais? Un jour, il est venu, il m'a dit, il y a un truc pété, c'est 4, il y a un mec dedans, il s'appelle Tisco, désire tout, non. Ah, il m'a pris la tête, j'ai dit, bon, vas-y, je vais voir. Et après, bizarrement, bah, Carter, il était en contact aussi avec le manager. Voilà, avec le manager, et du coup, bah, alors je comprenais pas trop, parce que je pensais que pété, machin, je crois que c'était ça le groupe, en fait, parce que je savais pas que c'était un concours, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais juste une question, c'est Bito quoi la menace. Mais il n'a pas l'air très menaçant, hein. Pourquoi il s'est appelé Bito la menace? Il est mignon, hein? Il est mignon. T'as l'air tout mignon, tout gentil mais comme ça. Attention, gentil, les apparences, elles sont trompées. D'accord, bon, on a hâte de voir ça. Donc toi, en fait, l'âge, vos âges, c'est quoi? Moi, j'ai pas d'âge. Parce que lui, Carter, il nous a dit 13 ans. Hein. Ah ouais? Non. En réunion, il nous a dit ils ont 13 ans. C'est vrai. Non, dites-nous, vous avez quel âge? Moi, j'ai 13 ans et demi, moi. Oh, arrêtez les gars, dites votre âge. Oh. Non, en fait, on peut pas dévoiler ça parce que
des fois quand on parle avec certaines personnes. Ah, ah d'accord. Ah donc vous avez des disquettes que vous mettez. On dit certains âges. D'accord. Donc, voilà, un peu quand vous rencontrez des Maëlys quoi. En tout cas. C'est ça. En tout cas. Bah, je sais pas c'est qui Maëlys. Hein. Alors du coup là comment ça se passe comment vous travaillez en général? Comment ça se passe? Et chacun ramène un petit bout de texte. Après vous êtes vous écoutez une instru ou ça se commence par l'instru? Comment ça se passe? Quelle est votre dynamique? Franchement. On fait ça à l'instant. Ouais. On va savoir qu'il y a studio demain. Il y aura une instru qui va s'envoyer dans le groupe. En fait, nous, on n'est pas trop compliqué niveau instru. C'est pas par exemple, ah, moi, j'aime pas, moi, j'aime pas, moi, j'aime pas. On sait que demain, il y a studio. Quelqu'un il va envoyer une instru. Et direct, on va écrire dessus. Ça dépend. Soit on écrit quand on va au studio dans la voiture. Soit on écrit au studio. Ou soit il y en a, ils ont écrit avant chez eux parce qu'ils avaient un peu de temps, tout ça. D'accord. Donc, et vous allez toujours au même studio? Non. Non, on varie, on change. On est polyvalent. Pourquoi vous changez de studio à chaque fois? On aime bien connaître d'autres choses. Et là, on a changé plusieurs fois. Là, après, on a trouvé un bon ingé son. On est bien avec lui. Ben, pour l'instant, on reste avec lui. Du coup, musicalement, qu'est-ce qui vous fait? C'est toujours, vous travaillez avec le même beatmaker ou vous faites un peu comme tous les jeunes? Vous prenez des instruments un peu à droite, à gauche et puis vous posez dessus? Comme je te dis, on n'est pas compliqué. Nous, c'est dès qu'il y a, on écrit. C'est-à-dire, on n'est pas là à chercher. Non, pas de phase A, pas de phase B, pas d'instru YouTube, pas d'instru de lui. Dès qu'il y a une instru, on écrit. Mais du coup, oui, mais les instrus, on vous les fait alors? On les fait pour vous? Ça dépend. D'accord. Ouais, ok. Bon, en tout cas, là, vous êtes en train de faire le buzz. Franchement, comment ça commence tout ça? C'est... Comment vous avez compris que y a un truc qui est en train de se passer? Mais déjà, nous, quand on s'est décidé de se mettre en groupe, on a voulu faire un concept pour représenter notre quartier. Avec d'accord. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. D'accord. C'est plusieurs zones de notre quartier. De votre quartier, d'accord. Ouais. Et vous venez tous d'une zone différente ou de la même zone? En fait, c'est un quartier. Le quartier, il est grand. D'accord. T'as capté? Et dans le quartier, il y a des zones. Ouais, j'ai capté. Chacun a son bâtiment. Chacun a son bâtiment. Chacun a son secteur. Lui, il doit me demander la permission pour venir dans mon bâtiment. Mais dis donc, non, vraiment. Mais je croyais que tonton, c'était la sécu. Non. Tonton, normalement, c'est toi qui fais la sécu. Donc, normalement, ils sont justement, pas... Justement, il fait la sécu. Mais ça veut pas dire que moi, je suis la terreur. Ah. En tout cas, bon, franchement, on est ravis. Carter, ils sont là, les petits, en tout cas. Non, les petits, ils sont chauds. Ils font le buzz sur Internet. J'aime bien. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est le petit qui nous a fait découvrir. Et franchement, je me suis buté toute la soirée. J'ai découvert des petits trucs bizarres. Il s'appelle comment le petit? Parce qu'il faut qu'on parle de lui, non? Quel petit truc bizarre? Aaron, il s'appelle. Aaron, si tu nous écoutes, grosse force à toi, voilà, t'es mon gars. En tout cas, bon, alors vous savez là, Carter, en fait, non, bon, comme vous êtes cas d'habitude, il est là autour de la table, donc on essaie un peu de s'adapter en tout cas. Et du coup, lui, il va faire sa petite rubrique. Donc en fait, il a écouté un peu ce que vous avez fait. Il a du coup essayé un petit peu de voir les paroles que vous avez dites. Et du coup, il va essayer de vous poser des questions par rapport à ça. Mais ce que je propose d'abord avant, c'est qu'on s'écoute un petit morceau de ce que vous faites. Morceau. Voilà, donc on va s'écouter... qu'est-ce que vous nous avez donné tout à l'heure? El Pazo, ça vous dit? Ouais. Ok, on s'écoute El Pazo. Donc c'est numéro 3. Bang bang, on est avec MS13. Eh les gars, faut vous lâcher. Hein. On dirait qu'ils sont timides. On dirait que vous êtes timides. Hein. Faut pas dormir comme ça. Franchement. FM Radio, c'est chaud là. C'est mais chaud. C'est ça. Donc si vous avez envie en plus de chanter par-dessus vos musiques, vas-y, allez-y. Hein. Bang bang bang. Lâchez-vous, lâchez-vous. C'est ça? Là, c'est une exclue. Fais monter la bête. Ça, c'est fait monter la bête, d'accord. Là, ça va sortir cette semaine là. Ah bah, on y va. En exclue. Ah bah, vous nous la faites en freestyle direct alors. Allez, on est parti. Disponible cette semaine. Bang bang, on est sur Rapside avec MS13. Les baconnets. Les baconnets sont présents, c'est bang bang gang gang. J'ai arrêté la sous, j'avoue que c'est pas bien. Mais j'ai une préférence pour le papier. Ils donnent leur cul pour du buzz et des catins. À pas travers, crois-moi qu'on va pas trater. C'est sous 14 que ça guette. Si ça vient à pas, ça m'éclata. Départemental, c'est pas douteux. Faut tourner plus que Chiquita. On est dans le ghetto, notre avenir est gâté. Pirate de la vie, on te mène en bateau. Sonic est gainé comme Babi Gonaté. Comme le limoro d'Abidjan Bamako. Ça range sur le tarot, dis-moi ce qui t'arrange. On mène une vie de riche, et toi ça te dérange. Dis-moi s'il y a des luches, direct on te déloge. Plus le temps pour des conneries, mon équipe fait le ménage.
L'ancien m'a dit avant de me lancer, il y aura des jaloux, mais bon, faut pas lâcher. C'est de la purée qu'on voit disco lâcheux. Désolé, mes mots, je ne peux pas les mâcher. Narcher, narcher, oh là, narcher, narcher, chez. C'est de talent que je suis un peu éméché. Parce que la collage, j'ai jamais touché. Réja et partant, Mara, c'est des Lara, Lara, elle croyait que c'était ma Je lui laisse, je lui mets dans le Je suis avec Bélo, Loïc, qui sont Brunini. J'oublie pas le feu, doux ami. J'ai du béni à faire, ce n'est pas de ma faute. Si tu réponds pas, c'est que j'ai du taf à faire. J'entends que t'es carré, bonne modalité. Nous deux, on va parler à faire. On a les coraux, ça va le faire. Tu sais très bien chez nous, pas besoin de caractère. Celui qui veut tester le karaté goûtera le crochet sur ma mère, il finit à terre. Chez nous, on respire, mais faut pas toucher notre Alice. Amélo, Aminou, si tu persistes, les faux rappeurs, je vous mets en bas de la liste. Vraiment Bali. Comme est à côté, c'est bisoté. Comme où est ça, mon gars, ça qu'a marché. Ma djine n'a quoi d'un nous qu'a frotté. Mais Benassi, les keufs d'eau. Majeur à tous les capteurs. Raptor, Bécané, les storkous. Ça les braque en I dans le secteur. Mais Benassi, les keufs d'eau. Majeur à tous les capteurs. Raptor, Bécané, les storkous. Ça les braque en I dans le secteur. Fais monter la bête, vroom, vroom, vroom. Fais monter la bête, narcher, fais monter la bête, vroom, vroom. Fais monter la bête, narcher, fais monter la bête, vroom, vroom. Fais monter la bête, narcher, fais monter la bête, vroom, vroom. Fais monter la bête. En tout cas, Rapside, bang, 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 il est là dans le studio, on ne vous entend pas. En tout cas, c'est monté la bête. En tout cas, ils ont c'est ça, on est là ensemble. Mais j'avoue, si le son il sort bien, c'est parce qu'on est sur IRM Radio. Mais c'est ça. Non, le son il est lourd, j'aime bien. Le son il est lourd, franchement, c'est monté la bête. En tout cas, fou, moi j'ai écouté le morceau, franchement il est lourd. Franchement, ça, donc ça, c'est une exclue qui n'est pas encore sortie, qui va sortir. Quoi. Là, très bientôt. Donc, ah, donc vous avez vu sur Rapside, maintenant, il y a même les exclus, c'est comme ça. Bang, bang, gang, gang. Merci en tout cas de nous avoir fait cette confiance. Et franchement, voilà, n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires si vous avez aimé sur Twitch ou alors au numéro 07 71 59 62 68, on va y répondre. Nous sommes toujours en direct d'IRM.radio, en live sur Twitch et bien sûr aussi également sur C-Direct. Bang, bang, gang, gang. Je me tourne vers toi. Bon, je ne me tourne pas parce que sinon, je vais devoir faire ça. Carter, t'inquiète. Et là, j'entends ta voix. Hein? On sait comment, le morceau, il t'a plu ou... Non, le morceau, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien leur petit groupe, là. Il est fougueux, il est insolent. Tout ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Hein? C'est ça. Ça vient du bitume, j'aime bien ça. Tu connais. Hein? Donc, du coup, tu nous as préparé quelques questions. Peut-être tu peux t'approcher un petit peu. Non, laisse-moi dans le coin, tranquillement. En tout cas. Ça fait comme voix off, tu vois ce que je veux dire? Tu ne me vois pas, mais t'as capté. Tu ne vois pas, mais on t'entend, vas-y, il n'y a pas de souci. Hein? Donc, alors, vas-y. Alors, comme elle vous a expliqué tout à l'heure, moi, ma rubrique, ça consiste à... Je prends vos paroles et je vous pose des questions sur vos paroles. T'as capté? J'ai capté. Hein? C'est bon? Ok. Donc, ça veut dire qu'il faudra tout répondre. Hein? T'inquiète. Yoro, tu me regardes bizarre. Hein? Ok. Bah, en plus, je commence par toi. En tout cas, je répète mot pour mot ce qui est écrit. Hein. Ok? Alors, il y a marqué « Mes mains, ils sont sales. » Mais mon gars, est-ce que tu... En tout cas, Carter, tu commences. Hein? Mais tu sais qu'on dit pas que mes mains, ils sont sales. Voilà. Hein? Non. Hein? Je vais vous expliquer quelque chose. Ah, dis-nous, Yoro, le plus expliqué, beau. J'ai pas tout expliqué. On attend les esprits. Vous voyez, comme je vous ai dit, avant MS-13, ouais. Le groupe qu'on avait fait, c'était pas pour du concret, c'était pas pour du sérieux, c'était juste pour montrer notre quartier. Donc ça veut dire les petites frottes, les petites... Excusez-moi. Ouais, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Parce que je m'attendais pas, c'est pour ça. Ouais. Donc vous voyez les petites fautes comme ça, là. Ouais. Je faisais pas attention, parce que moi je voulais juste montrer que... Vas-y, voilà, tu savais si rapper, voilà, j'ai rappé, non. Moi je suis quelqu'un d'une cité, voilà, j'ai pas peur tout ça. Mais maintenant je suis professionnel, donc ça veut dire les fautes comme ça, tu vas plus jamais les revoir. Ah. D'accord, mais moi t'as vu Carter. Ouais. Parce que si, d'accord, tu dis, c'est, tu vois, c'est des petits jeunes et tout, mais moi, celui à qui même je vais reprocher, c'est le manager derrière là-bas. Manager, toi t'écoutes pas les chansons il avant de là. Les mettre. Justement, hein? Justement, il était pas là. C'est là quand il m'a regardé. Non, c'est juste pour expliquer, non mais en plus tu l'as bien expliqué, franchement. Non. Mais voilà, je pense que là...
c'est un enregistrement, tu peux le refaire. Franchement, voilà, mais après... Et aussi, une petite faute. Vas-y. Je dis pas mes mains, ils sont sales, je dis mes mains, ils sont sales. Donc non, il est en train de changer, non, il est en train de changer. En fait, ça n'a rien changé. Non, parce que s'il dit mes mains, ils sont sales, ça veut dire que si je mets mes mains dans de l'eau, dans de la boue, mes mains, ils sont sales. Oh non, tu veux nous... Il veut nous embrouiller, t'inquiète. C'est trop technique, de toute façon, ça pour vous, voyez. D'accord, ok, on continue. Vas-y, on continue. Après, il y a « Putain, j'ai mal, vivre avec le SMIC, c'est pas assez ». Qui c'est qui dit ça? C'est Tiesco. Quand je dis ça. Parle dans le micro. C'est moi. C'est Hero encore. Dans Compton. Ah, ok. Bah, excuse-moi, Tiesco. Donc, c'est quoi la phrase? C'est pas grave, il va bien nous l'expliquer. Il a dit, putain, j'ai mal. Vivre avec le SMIC, c'est pas assez. Donc, ma question est, il te faut combien pour vivre? Ma question, il me faut combien pour vivre? Ouais. Franchement, je pourrais pas te répondre, mais il me faut un max de bénéfices. Beaucoup. Un max de bénéfices. Combien de chiffres? Je vais t'expliquer. Il faut que je paye mon loyer. Ouais. Je fasse mes courses. Ouais. Je donne de l'argent à ma femme. Ouais. À mes parents. Ah, ça fait déjà beaucoup là. Voilà. Et je mets le plein dans ma Ferrari F355 GTS. Oh shit. Et après le reste. vas-y, un bon petit 5000 euros dans ma poche. Que je peux dépenser quand je veux. En argent de poche, quoi. Juste en argent de poche. Ah, d'accord, en tout cas. Quand même, et les autres, du coup, ce serait quoi l'idéal pour vous? Pareil. Faut arrêter avec les pareils. Est-ce que toi, tu veux la Ferrari? Donc, tu veux la même femme que lui, la même Ferrari que lui? Peut-être sa femme, elle aime les talons. Bito, il veut pas répondre. Bito, il veut pas répondre. Donc, dis-nous, non, mais toi, tu voudrais quoi? Le kiff pour toi, ce serait quoi? Une bonne petite voiture. Ouais. Parlez bien devant, hein, les gars. Une petite femme. Histoire d'être bien. Elle est petite, là. Posez à tonton, là. Mon tonton, vas-y. Non, tonton. Et moi, tant que je vis, c'est carré. Non, mais dis-nous une somme. Par exemple, là, si vraiment, genre, tu sors un morceau, vous sortez un morceau pour ton premier album, t'aimerais pouvoir toucher combien? Genre, vous sortez un album, il tue, t'aimerais avoir combien dans les poches? 100 000 euros. 100 000 euros, c'est pas très gourmand, 100 000 euros, c'est rien. Ça, c'est... L'argent de poche, 100 000 euros. C'est un bon début. Et toi, Tisco, parle bien dans un le milliard, micro. Un milliard. Un milliard, voilà. Milliardaire. En tout cas, vas-y, on continue, Carter. Vas-y, on continue. Alors, il dit, ta meuf, c'est une chienne. Ne la laisse pas traîner sans sa laisse. Ça c'est Tiesco. Alors, ma question, c'est, dis-moi, tu promènes beaucoup de chiennes? Alors, tu promènes beaucoup de chiens ou c'est comment? Non, juste surveiller vos meufs, c'est tout. Donc, toi, t'es plutôt du genre à prendre les meufs des autres, quoi? Non. Mais ça, normalement, dans la cité, c'est un truc qu'on fait pas. Ça se fait pas. On fait pas ça. Il y en a, ils le font. Ah bon? Il y en a ici. On dirait, hein? Ah, il y en a, ils le font. Hein. Qui le fait? Ah, c'est mec, bizarre. Biscuit? C'est mec très bizarre. Je vais pas les lâcher. Les mecs qui sont présents ici dans cette salle, mais on va pas déclarer les noms. D'accord. On balance pas, c'est ça? Non, on balance pas. Bon, bah d'accord, on continue, Carter. mais j'ai l'impression que tout à l'heure, dans une certaine rubrique, ils vont être obligés de balancer certaines choses. Ça arrive. Parce que je pense que là, en fonction de ce que vous dites, il va y avoir des demandes. Il y a des rubriques qui arrivent. Moi, je pense qu'on devrait arrêter avec Carter, parce que lui, il est là juste pour faire mauvaise chose. Non. Moi, non, Carter, en fait, c'est les paroles. Hein? Non. Moi, je veux plus t'adresser la parole. T'inquiète, alors, à la fin, on va se checker au calme. Hein? Donc, est-ce que tu as encore des questions, Carter? Ouais, j'ai encore une petite question. Celle-là, j'aime bien. Alors, c'est depuis que je rappe, les meufs, elles sont là. En plus, c'est des tasses. Je leur verse mon lait. Oh, tiens, je leur verse mon lait. Vraiment. Quel lait? Dis-moi déjà, est-ce que ton lait, il est bio? Est-ce qu'il est bio? Tiesco, dis-nous. Il faut répondre, hein. Déjà, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Regardez, ça, c'est une tasse, du lait. D'accord. Non, mais tout simplement. Rapproche-toi du micro. Mais... Tout simplement. D'accord. Ta question, ta réponse, elle me convient pas, frérot. Ça me convient pas. Regarde, Tiesco, si j'écoute bien, ouais, c'est quoi ta punchline? Je prends du lait, je la mets dans une tasse. C'est ça que t'as envie de nous dire? C'est ça, ça, c'est une punchline, ça. Ouais. S'il n'y a pas de double sens. Bon, en tout cas, Yoroma, je pense que t'as envie de parler un peu. Dis-nous. J'ai envie de parler, moi.
Hein? Non, en fait, non. En tout cas. Parle. Non, en fait, je vous explique. Toi, tu as des gens de la famille. Vas-y, explique, Yoro, explique. Parce que là, cette semaine, il s'est passé quelque chose. Moi, je peux pas trop faire de fautes. Là, je suis à ma deuxième phase. Si je fais une troisième phase, il me parle plus. Non. D'accord. On a compris. Il s'est passé des choses pas bien, donc je vais pas parler. D'accord. Bon, alors, vas-y, Carter, on continue. Vas-y. On voulait prendre notre envol, mais on s'est trompé d'escale. Alors, Tisco, c'est lui qui a dit. Si, c'est toi. Dans zone 3, exactement. T'as du mal à te rappeler tes paroles, quoi. On voulait prendre notre envol, mais on s'est trompé d'escale. On s'est trompé d'escale. Non, Carter, laisse-nous tranquille. attends, non. J'ai même pas encore posé ma question. Attends, j'ai pas encore posé la question. Hein, Moi, ma question, c'est que vous avez pris quelle compagnie? Attendez, il y a quoi comme pays d'abord ici? Il y a Cameroun. Il y a Cameroun, il y a Angola. Il y a tous les pays. J'avoue, on a pris. Il y a Congo. Évidemment, hein, parce qu'on est sur ces directs, donc le Congo est cool. Explique-nous, quelle compagnie vous avez pris pour atterrir bizarre? J'avoue, on a pris Air Mauritanie. Hein. Je ne cache pas. On atterrit où? Et vous avez atterri où? One Trot. C'était ouf, ces petits gars, ils sont fous. Bon, voilà. En tout cas, Carter. Vas-y. Bon. Tesco, on dirait, il est fâché. Tesco, il ne veut pas parler. Vas-y. En fait, voyez, nous, on sert trop bien les gens. Moi, j'ai remarqué que Carter, t'es joli, tout ça, mais t'as un flou. Hein? Non, t'inquiète, j'ai encore 2-3 questions, après c'est fini. Hein? Vas-y, Carter. Alors, la concurrence est nulle à chier. Donc, je rajoute une couche. Ok, c'est d'accord. C'est lui. Oui. Moi, ma question, c'est qui vos concurrents? On n'a pas de concurrence. Vous n'avez pas de concurrence? Vous n'avez pas de concurrence? Non. Même Noël de Begang? Non. C'est pas le même style de musique. Ok. Vous voyez, nous, on veut pas de concurrence. Nous, on est là pour faire des bons sons, kiffer avec les gens. Toi, tu rappes, t'as du buzz, tu fais du bon son, on t'aime. Il n'y a pas de concurrence. Ah, je veux faire meilleur que lui, tout ça. D'accord. En fait, pour vous, c'est de la musique, quoi. Pour vous, c'est de la musique en premier. Et en plus, on va dire que à peu près tous les rappeurs, on est à peu près tous pareils. On vient des quartiers. Ouais, c'est on vrai. A à peu près la même couleur de peau, les mêmes origines, on vient du même continent. Même façon, même, on a le même âge, tout ça. Donc, vas-y. Bah, t'as raison, franchement, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. Franchement, super. Grandit, c'est une bonne façon de penser. On grandit, on essaie d'esquiver toutes sortes d'embrouilles, tout ça. Ah, c'est bien. On espère. Ok, on continue. Ma dernière question. Au fait, Biscuit est toujours avec Maëlys? Bon, hein? Écoutez, les gars, va falloir parler. Pas Maëlys. D'accord. Bon, en fait. Biscuit, t'es sûr? Ouais. Ah, moi, il m'a dit le contraire. Il a un téléphone? Non, mais je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'on ne saura pas trop ce qui se passe. Mais du coup, pour juste désamorcer, en fait, vous n'êtes pas du tout en embrouille avec Biscuit? Non. C'est le petit frère. Ok. Bon. Carter. Moi, pour ma part, c'est fini. C'était ça, les questions. Okay. Ils sont contents. Tesco, il ne veut plus me parler depuis tout à l'heure. Un petit big up. T'inquiète, je vais te ramener ton tchèque tout à l'heure au KLM. En tout cas, bon, bah voilà. Bon. Tesco, toi, tu n'es pas trop bavard. Hein. Toi, c'est seulement dans les textes. Il est sale dans les textes. Mais quand je suis bavard. T'es bavard, ouais. D'accord. À l'école, bavardage tout le temps. Ah ouais. En tout cas, on est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch. Vous pouvez toujours réagir au 07 71 59 62 68. Et évidemment, on est également sur ces directs. Il y a des Congolais? Il y en a un d'entre vous? Il n'y a pas de Congolais entre vous? C'est lui, je crois. T'es Congolais? Il galère, lui. Bon, c'est pas grave. C'est juste mes frères et sœurs, ils sont congolais. Non, en fait, juste mes frères et sœurs. En fait, à la CAN, ouais. Quand il y a deux équipes en finale, il choisit l'équipe qu'il veut, il dit non. Bon, moi je suis ça. Quand il y a Sénégal, Camerounais. Tous mes frères et sœurs, c'est des Camerounais congolais. Il n'y a que moi, je suis ivoirien chez moi. Ah, d'accord. Je suis le seul ivoirien. Donc tu n'es point congolais. Demain, il peut dire qu'il est algérien. Montre-lui. D'accord, ok. Bon, alors, du coup. On va s'écouter un morceau à vous. Donc, moi, j'ai bien envie d'écouter El Paso. Ouais, voilà, on va écouter ça. Et c'est le MS13 numéro 3, je crois. C'est une exclue encore. Parce que c'est l'exclu. IRM. J'avais mon petit carnet c'est là. C'est une exclue encore. Mais quand tu dis numéro 3, tu parles des zones. Non, c'est pas ça, c'est pas les zones. C'est parce que voilà, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est El Paso. C'est bon. Dédicace.
Donc on écoute, donc ça c'est le Pazo MS13. On est là, ensuite on va accueillir Coralie yeah. qui va nous faire un petit jeu. Bacone, en direct sur IRM Radio. Ouais. Elle est avec toi pour démapper ça. Aïe. Elle voudrait bien que tu lui achètes des PSA. Moi je me lève un peu. Hein, ce qui a bois chez nous, on n'aime pas trop ça. Elle est avec toi pour démapper ça. Elle voudrait bien que tu l'achètes des PSA. Ce qui a boit chez nous, on n'aime pas trop ça. On va laisser le Beretta faire la loi. On a le feu et ça tu le vois. Depuis tout petit sous le même toit. Ramène-moi tes rappeurs, je les bois. Je les sirote comme Jimmy Randa. Mexica m'a dit petit effort. Donc faut que tu nuis de les mettre d'accord. Entre eux et nous, y'a pas d'accord. Fais le fou en te tort. Y'a le neuf si t'es un peu trop fort. Ne t'invente pas de vie, on sait qui est qui, on sait qui fait quoi avec qui. Amigo, faut du ralice, je me vois de bleu finir ma vie. Avant du haut, ou Nawari, ou Ibifara direct. Belette, cité sur la select. Ça peut venir dans toutes les directions. C'est nous les premiers blagues d'être basso. Je te déconseille de passer, on te fait le portrait. Le fusil d'assaut nous servira de pinceau. Obligé de changer train de vie. Beaucoup de yonklis sont tombés dans les rails. Maman Ngatier, tu sais que j'ai mal. Osana, la cahier me rend fou. Tous tes mecs par le refou. On se regarde dans la glace, on a chaud. Les bleus, tu sais pas nous les méchants. Libérer KLN au cachot. Bakone, c'est le 11 de légende. Vice de procédure, j'ai été acquitté. Maintenant je dors sur mes deux oreilles. Et je frappe la checker. Je suis un vrai Ronan comme le vieux Max Alain Gradel. Justice pour Ibo, les baveurs, on a marre, on reste soudés comme à Sarcelles. Et c'est plus pareil, vu qu'ils nous ont détruit le grand L. J'suis ce mignon garçon, mais les qu'à toi si ça monte d'un ton. Y'a plus de confrontation, vu que la Yakuza font des séquestrations. J'ai mon The Black comme Boumara, 223 comme Amara. Elle passe dans tout le secteur, le grand ensemble c'est les USA. Ethnie barrée de la race humaine, ne compare pas à ses MN. Purée du sang toute la semaine, t'es ton paquet rouge la semaine. Ethnie bannie de la race humaine, ne compare pas à ses ML. J'ai pleuré du sang toute la semaine, t'es ton paquet rouge la semaine. El Paso. Le négro de El Paso, El Paso, El Paso, les bandits de El Paso, El Paso, le négro de El Paso, El Paso, El Paso, les bandits de El Paso. Oh Carter, c'est du lourd. Yeah. Sur Rapside, bang bang gang gang, aïe. En tout cas, on est là, Rapside, branchez-vous. Faites tourner à vos potes. Alors, je ne sais pas si entre-temps, on a eu des réactions sur Twitch, sur, par SMS, je ne sais pas, je vais demander à Richard. Et si c'est le cas, bah écoutez, je vais... Ah bah oui, oh là là, d'accord. Bon, il y a beaucoup de questions apparemment là. Soyez gentils, s'il vous plaît. Bon, alors, on a... Ouh. Ah ouais, d'accord. Il y a trop. Ah oui, d'accord. Bon, bah je vais essayer. Alors, on va commencer. Prends au hasard, t'as vu. Il y a Aga Christine qui dit yes. Voilà. Il y a Virtuel Noam qui dit Tisco, t'as quel âge? J'ai ton âge, Virtuel. En tout cas, on a C'est moi, wesh, enfin. Qui dit enfin. Voilà, donc enfin, on vous voit. Enfin. Voilà. Il y a Obi242, Oe, la MS13. Oe, Obi. YKZ qui dit avant premier. Alors, ça bug un peu. Alors, excusez-nous, c'est parce qu'en fait, le samedi, je pense, sur Twitch, comme les il y a gamers, plein, il y a ils les sont gamers là. Qui se mettent des fois, mais vous inquiétez pas, de toute façon, après, tout est enregistré sur une carte. Après, vous pouvez revoir l'émission sur YouTube, il n'y a aucun souci, mais là, restez branchés, vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Leur talent va régler tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, ça bug, ça bug, ça bug, un peu beaucoup. Le son bug, ça bug de fou. Alors, ils ont envoyé des messages pour dire ça bug. Mais YKZ, t'as dit la meuf en jeune, elle croit aller en concert. Déjà, la meuf en jeune, elle s'appelle Stella. Et bien sûr, je suis en concert. Mais quand vous écoutez la musique, on est là pour faire de la musique. Bien on sûr. Est là pour danser. Hey, moi, je ne vais pas rester comme ça alors qu'il y a de la musique à côté. Moi. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Plus, ici, c'est Rapside. Donc, il y a Mama D95. Voilà. En tout cas, les gens, ils disent, de toute façon, le son, il a lag depuis. Oh, ouais, ça bug, ça bug. Tisco, t'as une meuf? Ça, c'est bizarre, il n'y a que des questions moi, pour le disque. Dit, moi je vous ai dit, hein? Des fois il y a des questions, on ne peut pas répondre. J'ai quoi? Si t'as une meuf. Je ne pas, hein? Ah, t'as très bien entendu. Là tu dis, j'ai quoi? Il a mis une option, il a mis une option. Sinon après il y en a, bah, ça gaze. Ils disent, ouais, Tisco il est en sueur. Je crois pas vous allez. Attends, alors. Je crois pas, vous avez pas ma gueule, Bakone standard, MGL. Ouais, ouais bon, d'accord. Voilà, après, il faut déchiffrer, hein, parce que. Ouais, toi, tu. Alors, nous, voilà, embrouillez-vous pas. Donc, voilà.
il y a beaucoup de questions. Hein. Alors, pourquoi tu veux... Je vais essayer de voir. Je ne sais pas si tu fais le mec qui représente alors que tu es juste un BH, un BDH qui habite même pas au Bas-Connais. Ah, JSP, c'est qui? Qui a dit ça? Ouais, j'espère que tu fais pas le mec qui représente alors que tu es juste... Non, je sais pas. C'est dire. Ouais, c'est ça, je sais pas, j'ai compris. Je sais pas si tu fais le mec qui représente alors que tu es juste un BDH, c'est quoi? BDH, ça me dit un truc. Bandeur d'hommes. Un suceur. Un BDH qui habite même pas au Bas-Connais. Ok, donc sa chambre, en tout cas. Donc voilà. Lui, il est pas content, lui. Hein. Ah ouais, lui, il est pas content. Les haters. Ah, il en faut toujours, hein. Mais fasse pas grave, t'aime mon gars. Voilà, il y en a beaucoup. Force à lui, je sais pas sur Insta, voilà, mais bon, voilà. Donc voilà, et c'est un, elle s'est cru. Alors eux, ils sont restés connectés sur moi parce que je danse. Eh hey, les gars, si vous aimez faut pas écouter les gens le son, joie, merde, putain. Franchement, faut partir c'est parce vrai, que vrai. Les gens qui viennent pour mettre des commentaires, juste pour mettre des commentaires, franchement, mais nous ça ne nous dérange pas. Eh hey, moi je kiffe la musique, moi je suis là pour danser. En fait, si vous voulez pas, vous zappez, c'est tout. En tout cas, c'est tout. En fait, on a oublié de vous dire ça, vous voyez. Nous là, oui. Sur Instagram, on non, a. Non, mais je connais. Ah, vous connaissez notre gang Lâcher chez Gang? J'ai compris. Ils sont là juste pour ça. Ils sont là juste pour chambrer, c'est pour ça que ça me. Ouais. T'inquiète même pas. Ils sont là juste pour c'est chambrer. Les meilleurs, c'est les meilleurs. C'est comme ça. Quand on a un problème, on les envoie eux, c'est eux, ils nous récupèrent. Ah ouais? C'est réel. Sérieux? C'est vraiment vrai. Alors voilà, donc voilà. Bon, je lirai le reste après. Vous êtes à l'école, vous faites quoi comme études? Donc ça, c'est une bonne question. Hein, vous êtes à l'école encore? Ouais, bah, je crois vous rigolez. Il y a eu le confinement, hein. Donc ça veut dire on est tous dans le même cas. D'accord. Yoro, t'es très technique dans tes réponses, j'aime bien. Et du coup, alors Fais Monter la Bête, il sort quand? Là, cette semaine. Bah voilà, il sort cette semaine. Vous serez donc, au voilà. courant en tout cas. Bah, moi, je te fais une big dédicace, YKZ, la meuf en jaune, elle va continuer à danser, elle va continuer à kiffer. Si t'es pas content, bah tu te barres, c'est tout, mec. Oh, en tout cas, voilà. Donc, alors, on a maintenant Coralie. Éléonore, je ne sais pas pourquoi j'appelle. T'aimes trop l'appeler comme ça. Bonjour, Coralie. Non, c'est Éléonore. Donc elle va arriver et elle va faire quelque chose de. En fait, elle va voir, elle va faire sa petite rubrique. Et du coup, vous allez voir si c'est possible de faire un feat avec elle ou pas. Ok. Voilà, je vous annonce juste ça comme ça. Et ensuite, voilà. C'est qui? C'est Éléonore. On l'accueille. Faites-lui un petit coup. Coralie. Non, c'est Éléonore. Éléonore. En tout cas, merci Tisco, tu commences bien. Ah, je me suis assise sur une chaise. Alors, Éléonore, dis-nous tout. Alors, comment ça va? Explique-nous. Ça va très bien. Alors, je vous explique. Moi, je suis chanteuse de variété. Française. Moi aussi. Big up, mon YKZ. Ah, j'espère bien. J'espère bien, mais depuis une fois, il y a Stelina qui m'a appelé, qui m'a dit, écoute, Éléonore, lance-toi dans le rap game. Donc, depuis quelques temps, je me lance dans le rap game. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis ici pour faire des feats, tu vois. Je suis ici pour feater. Mais, donc, pour faire un feat avec vous, d'accord? Seulement, elle a des mots. Là, je suis là pour feater. Seulement, il faut que vous vous mettiez dans mon univers. D'accord. Ce qui veut dire que moi, je vous ai sorti une belle instru bien variété française. Vous connaissez, tout le monde connaît Hélène Segarra. Non. Je ne sais même pas s'ils connaissent. Dis bon, Hélène Segarra. Ouais, je ne sais même pas s'ils connaissent. Voilà. Tu l'aimes. C'est ça, voilà. Je t'aime. Voilà, c'est cette chanson. Non, ça, je t'aime, c'est Lara Fabian. Donc, voilà, une belle... Donc j'ai sorti une belle instru de variété française. Vas-y, c'est carré. Ce qui se passe, c'est que moi, je vais kicker le premier couplet. Vas-y. D'accord. Et vous allez kicker avec moi. Après moi, ok? Enfin, s'ils sont capables, eux, de s'adapter. En fait, ce qu'elle veut voir, c'est est-ce que vraiment, les rappeurs, ils peuvent s'adapter sur... Ah, on doit rapper... Ouais, si vous pouvez vous adapter couplet. Sur une instru ouais. qui est autre que celle... Okay. C'est mais ils ont dit tout à l'heure, ils ont dit, on n'est pas compliqué. Alors, c'est parti. Bah, allez. On se l'écoute cette instru? Allez. Ouais, non, mais elle va vous faire d'abord un. Hey, 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 M13. Ouais. Rap 5. Ouais. Sur IRM Radio. Bra. Eleonore. Bra. Bra. Stelina. On est là. Je dis, on est là. Ouais. Ça vient de Bas-Connais. Ça vient Bas-Connais. Le hip hop français. Le hip hop français. Ouais. Tisco gars à lunettes. Moi je vais tailler la casquette. Ouais. Tonton, Yoro, Bito, Bra. La zone est validée. Validée pour des années. Zone. Fais bouger les tétés. Ouais. Ça va faire du bébé. Les couplets, faut arrêter. Oui. M13, il va péter. Oui. Les rappeurs enrhumés. Tous les rappeurs enrhumés. Fais pas de test avec eux. Yeah. Pense pas trop avec eux. Ouais. 2020 va s'enrichir, on va les regarder courir.
ça fait mal à rincer. Ça termine à se. Fallait suivre la cadence sur des petits pas de danse à vous. Ouais. Des petits pas de danse à vous, à vous, à vous. Allez, kiké. Des petits pas de danse à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Des petits pas de danse à vous, à vous, à vous, à vous. Sur des petits pas de danse à vous. Je vous mets tous en garde à vous. D-I-S-C-O. Ouais. Je m'appelle Tisco. Tisco. Disco. RM Radio. Radio. Fais le fou, on va te radier. Ouais. De la liste des amis. Ouais. Je vais semer la zizanie. Ouais. À chaque cas dans le bâtiment. Ouais. Ça lève tard les bâtiments. Ouais. Là, je suis en impro. Ouais. Et bien sûr, je suis un pro. Ouais. Je donne la parole à Yoro. Ouais. Bellec, tu dois des euros. Non. Mon gars ne fait pas l'héros. Ouais. Nous, on baisse et fait des roues. Ouais. Je l'ai niqué, ça fait deux roues. Ouais. Mais elle en veut encore. Ah. Je suis là, je veux battre tous les records. Ah. Ouais. Yoro. Yoro, Yoro. Okay. Yoro. Je crois qu'on va devoir la mettre. Vas-y, Yoro. 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 C'est Yoro le plus beau. Ben. Je m'appelle mon gars Yoro. Yoro. J'ai à toi. Bito, 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 En tout cas, il y en a qui disent, tu veux quitter le plateau, on dirait tonton. Non, bon, alors évidemment, hein, tu sais, comme tu es dans un rap game un peu chelou, évidemment, il y a des gens, ils ont dit, mais quel flop, quel TF. Mais en fait, c'est le but du jeu, c'est qu'en fait, elle n'est pas du tout rappeuse. Et le but du jeu, c'est de faire rire les gens. Donc, ouais, t'as fait rire les gens, quoi, t'as fait kiffer. Et franchement, merci Eleonore, on nous fait un gros. Bravo Eleonore. Merci. Et la question, c'était si elle peut faire un feat avec nous. Non, franchement. Les bras ouverts. Oh, ah, merci. Merci, Tisco. Merci, Tisco. En tout cas, voilà. Bon, alors, ça va? Ah ouais, chelou. Ça va, ça franchement. Va toujours. Mais j'avoue, toutes les personnes là qui sont sur ma droite, qui arrivent dans le plateau, je commence à pas trop les aimer. Hein. Pourquoi? J'espère que la prochaine, elle va pas trop m'énerver, hein, parce que là, c'était chaud. Hein. Moi, ça va, mais il y a ma tchèque dehors. Là. C'est elle nous a mis dans l'embarras, c'est pas bon. Non, mais c'est bon, c'est pour rigoler, c'est pour détendre un même peu. Même si elle a la même couleur de cheveux que moi. En tout cas, c'est comme ça, on est là pour s'amuser aussi, c'est la famille. On est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch. Continuez à envoyer vos messages d'encouragement, de rageux, que ce que vous voulez. On est là pour ça, c'est ça un chat, justement, c'est pour échanger. Nous, on aime, on n'a pas, de toute façon, ici, c'est bang bang gang gang, on s'en fout, on est là. On kiffe et on kiffe le moment présent. Évidemment, on est aussi sur ces directs. Donc voilà, big up à tout le monde. Comme toutes les semaines, en fin d'émission, je ferai écouter une chanson que j'ai sélectionnée des rappeurs qui m'envoient des choses qui sont là-bas au Congo. Donc voilà, je ferai écouter tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce sera Sam Samouraï qu'on va écouter avec. Sam Samouraï. Ouais, qui fait Sapo Gang. Sapo Gang. Congo na yo, cause à la moto. En tout cas. Donc alors. Ça, c'est Bang Bang, Ashibalani, dites à Ashibalani de faire un live sur Insta. Bon, en fait, on ne peut pas faire de live puisqu'on est là sur Twitch. Je sais que ça bug et tout, mais bon, voilà. Ok, Malti. Sinon, c'est quand fait un live depuis, les gars. Alors, c'est quand Zone 5 ? Zone 5 ? Il n'y aura pas de Zone 5 ? J'avoue, Zone 5, c'est loin. Ouais. Vous ne voulez pas faire un Zone 5 ? Non. C'est fini, en fait, c'était juste pour vous lancer. En fait, au début. Là, il y a trop une évolution pour faire Zone 5. D'accord. Alors, justement, par rapport à l'évolution, du coup, qu'est-ce que vous avez changé par rapport au début? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'avancer? L'écriture. Moi, je sais pas. L'écriture? Toi, tonton, l'écriture, elle a changé? Pour tout le monde. C'est plus mûr, c'est quoi? Ouais, c'est plus mûr. D'accord. Ça devient plus facile. Ça devient plus facile? Et du coup, mais là, vous êtes entouré d'une équipe. Ou pas, vous êtes toujours. Il y a une équipe. Une bonne petite équipe, toujours. On est bien entouré. Il y a une maison de disques derrière? Non. Pas encore? Ça va arriver, vous espérez? J'espère. Vous avez envie de signer en major? On dit rien pour l'instant. en tout cas, on est là. Bon, moi je me dis, si on se faisait un autre petit freestyle, tu vois, qu'on se fasse un autre petit freestyle avant d'accueillir Obraya.
Obraya, elle arrive. Obraya, j'espère que t'es gentil. Hein. Voilà, j'espère que t'es gentil. Hein. Non, Obraya, elle arrive à la fin. Parce qu'avant Obraya, il y aura d'abord Belisa qui va venir. En fait, Belisa, c'est le côté un peu fashion. Elle va nous parler. Non, là, elle nous fait juste une petite rubrique sur les in, les out. Et puis après, elle va vous scanner un petit peu. Elle va scanner un peu le... Scanner quoi? Elle va scanner un peu comment vous êtes, votre style et tout ça, tu vois. Ok. Alors... Alors, vous, pourquoi vous sous il leak? Leak, c'est quoi, leak? Like. Non, c'est sa fuite. Sa fuite. Vous voyez les fuiteurs, là, on va vous attraper. Moi, j'ai engagé un pirate, là, vous allez voir. Mais c'est bien. Plus ça fuite, plus ça veut dire que... Il y a des gens... Moi, j'aime ça intéresse à nous. Non, voilà. Ça veut dire que si ça fuite, beaucoup comme ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui nous attendent, ça veut dire qu'on est écouté, tout ça. Donc, ça veut dire... C'est, d'un côté, c'est bien. Non, c'est pas bien. Alors, il y a YKZ, en tout cas, il demande, vous avez commencé à rapper à quel âge? Moi, depuis tout petit. Hein. Depuis tout petit? Dernier ans. D'accord. J'essaie de prendre toutes les questions parce qu'il y a beaucoup, quand même, que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait. Mais il n'y a que YKZ ou quoi? Non, il y en a d'autres. Alors, il y a Donald Trump, hey. 902. Alors, les gens, ils mettent des trucs. Vas-y, je vais t'appeler Donald. Vous mettez des noms comme ça. En tout cas, il a dit, Yoro, il a vraiment progressé. Ça, au début, il n'était pas ouf, mais maintenant, ça passe bien. Je sais, franchement. Voilà. Du coup, j'essaie de voir, parce que justement, comme c'est toujours les mêmes personnes. Alors, Karen, elle demande vos vrais prénoms. Bon, vous avez envie de les donner? Moi, mon vrai prénom, c'est Mas Massi. Il y a quoi, wesh? Et il y a Mamad95, une dernière qui dit, c'est quand voyoucratie? Ah, avec CG6? Ouais, c'est non, ça. Mais attends, mon gars, tu as bien écouté le son qui a fuité et puis tu oses demander. Non, mais on est où là? En tout cas, donc, je vois quand même que voilà, vous avez une bonne petite communauté derrière vous, vous avez des gens qui vous suivent. Non, il y a mes bons petits gars là, Narcissi Gang. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live, vous inquiétez pas. On va refaire. D'accord, là. Et du coup, ça commence. Quand vous voyez comme ça qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous. Parce que j'ai vu, vous faites beaucoup de snaps, vous faites beaucoup de lives et tout, vous expliquez un peu tout ce que vous faites et tout. Ça fait quoi d'avoir des gens comme ça qui aiment ce qu'on fait? Ça fait du bien, ça fait plaisir. Ça fait franchement, bien. Ça fait plaisir. Ouais, de ouf. Moi, je les aime, moi. Ah, bah dis-leur. Moi, je les aime, Narcissi Gang. Narcissi Gang, ok. Bon, bah, je propose donc qu'on se fasse un petit freestyle, histoire de faire encore un petit peu de musique. Et franchement, lâchez-vous, faites-nous un truc vraiment lourd. Et du coup, après, on accueillera la Belisa qui viendra nous parler un petit peu de mode de fashion. Donc, on va s'écouter. Alors, on a dit un jour. C'est chaque jour. Chaque jour. Voilà, et c'est M numéro 2, il me semble. C'est ça? Ouais. Ok. Brrr. Ok. MS Ray sur Rapside, on est toujours là en direct sur IRM Point Radio, en live sur Twitch et bien sûr aussi sur C-Direct. J'entends pilon, pilon, lit. Pilon, pilon, lit. Pilon, pilon, lit. J'entends pilon, pilon, lit. Pilon, lit. Une lourde défaite pour les nids qu'on a massés. Équipe réputée pour faire des bons massages. On va la massa, on fume la magie. Et je trouve ça tragique. On a les massages. On fait le ménage, c'est nous la matance. On s'appelle main 2, eh ben je le mets 2. Cherche pas la merde, pas dans mon monde. De Ron à merdi qui rafale en moto. Quand on te casse tout. Tu dois des sous, t'as les couilles castrées. Qui veut que je fasse des passes 2. Pas le module comme à la casté. Qui veut des kicks à la qui casse 2. Grosse magnifique, je les prends pas par 2. Attaque ce métier qu'y aura pas de pardon. Dans mes athées, vont jurer par Dieu. Dis pas que demain est un autre. Jour, tous les jours c'est la même. Le temps passe mais c'est toujours même routine que la veille. Pétard, gants, zéro ADN. Ouais. Pétard, gants, pour pas se faire péter bêtement. Tous les jours dans la tête, ouais. H24 dans le bâtiment. T'as pas payé, attends. On procède à l'endettement. Ça te filoche en sous-marin. Ton cas devient inquiétant. Ça te filoche en sous-marin. Ton cas devient inquiétant. Ces fils de pute faut les traumatiser. Depuis quand les keufs font la loi à la cité. En plus de ça tout c'est incarcéré. Je fais un doigt pour la juger. Pour tous les jurés. Pour tous les jurés. J'ai promis à ma maman la belle vue au deux blés. Mais pour ça il fallait du blé. Du blé. Donc je me lève le matin, j'en fais mon bonnet. Rebelote la nouvelle journée. C'est carré, le machin est chargé. Prêt à te pétarder. Tes parents vont pleurer. C'est pas tes potos qui viennent t'aider. C'est le SAMU qui se lève prêt à t'emmener. La loi de la rue, tu l'as plus Gucci kit. On a raté, pourquoi tu paniques? J'aime les fanatiques depuis que je peux rap. J'ai du Nutella sur ma. Dis pas que demain est un autre jour. Tous les jours c'est la même. Le temps passe mais c'est toujours même routine que la veille. Pétard, gants, zéro ADN. Pétard, gants, pour pas se faire péter bêtement. Tous les jours dans la tête,
H24 dans le bâtiment. T'as pas payé à temps, on procède à l'endettement. Ça te filoche en sous-marin, ton cas devient inquiétant. Ça te filoche en sous-marin, ton cas devient inquiétant. J'taffe de ouf, pourtant ça paye pas. C'est paradoxal, trop de soucis, la nuit je n'y reste pas. J'ai besoin de conseils. Bitches parle pas d'amour, tu sais qu'on récolte ce l'on sème. Poucaf t'as procédé à l'accouchement, normal que tu saignes. Y'a de la moula, t'en veux-tu un? J'crois que j'vais en faire mon métier. Poucaf tu donnes tous les tiens, lorsque les bleus te détiennent. Garde terrain, ça va tirer, après traquer à la tienne. Petit dansou, tu as rien, tu parles comme si t'en étais un. Dis pas que demain est un autre jour, tous les jours c'est la même. Le temps passé c'est toujours même routine que la veille. Pétard, gant, zéro ADN. Pétard, gant, pour pas se faire péter bête. Moi tous les jours dans la tête, H24 dans le bâtiment. T'as pas payé, attends, on procède à l'endettement. Ça te filoche en sous-marin, ton cas devient inquiétant. Ça te filoche en sous-marin, ton cas devient inquiétant. Pilon, pilon, lit. Pilon, pilon, lit. Ok, pilon, ça fait chaque jour, MS13. IRM.radio, c'est direct. Direct. Bon, alors. Tu reconnais les bails? Ouh, alors apparemment, ça bug vraiment de ouf sur Twitch. Là, c'est vraiment. Excusez-nous, mais en fait, c'est indépendamment de notre volonté. C'est vraiment pas nous. Donc là, c'est le réseau sur Twitch. Alors, on a eu. Alors, je vous lis quelques petits messages. Alors, il y en a un qui dit Donald Trump. Hein, il dit rapper juste avec l'instrumental sans autotune. Est-ce que vous trouvez. Il doit trouver qu'il y a trop d'autotune? Vous mettez beaucoup d'autotune dans vos morceaux? Moi, je varie. Ouais. Ça dépend. Mais vous pourriez chanter sans autotune, de toute façon c'est pareil. C'est... Mais c'est vrai ça, pourquoi les rappeurs vous voulez toujours un moment chanter ou chantonner? Parce que c'est ça... C'est ça qui marche. C'est ça, ouais. C'est fini le rap à l'ancienne. Ok. Alors il y en a qui dit pourquoi vous avez supprimé, c'est JL Menia, qui dit pourquoi vous avez supprimé le son Tisco avec Dinero. Pourquoi vous l'avez supprimé? Comment ça s'appelle déjà? Il n'y avait même pas le groupe encore. Bah ouais, je crois que Tisco il avait 11 ans. Alors, laisse ça. Après, ils vont faire des calculs, ils vont retrouver. Et puis, il y a aussi, alors, ben voilà, YKZ qui dit pourquoi t'enlèves pas tes lunettes et dis la vérité? Wesh, mon gars. Il n'y a pas de raison. T'aimes bien porter tes lunettes. Avec les lunettes, ça disait, wesh, pourquoi il a des lunettes? J'ai continué, tout ça. C'est son style. C'est son style. Ok, ah, moi je réponds, c'est vos, c'est vos fans donc, qui veulent savoir, c'est normal. En tout cas, Bélisa, t'es déjà en place. Toujours. Comment ça va? Ça va et toi? Bon. Là, quand on accueille Bélisa, en fait, il y a un petit rituel, c'est Bélisa, 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 ambiance, oh Bélisa, oh Bélisa, oh Bélisa, oh Bélisa, Bélisa, dis-nous tout, qu'est-ce que tu vas nous dire, de quoi tu vas nous parler? Alors aujourd'hui, on va faire comme d'hab, hein, mon petit top flop, en gros, mon petit flop top, donc d'Instagram, je vais vous montrer des petits styles, ouais, j'ai regardé des petits styles sur le net, et du coup j'ai sélectionné le style que j'ai trouvé le plus joli, le moins joli, et après on va passer sur moi, hein, les gars. Ok. Donc préparez-vous, ça va bien se passer. Ça va aller calmement. Ça va mais bien se passer. On a un peu scanné votre style, votre swag. Votre swag. Et puis bon, on va en discuter un peu calmement plus tard parce que bon, il y a des choses à dire. En tout cas. Voilà. Voilà. Donc bon, je vous montre les images. Alors pour commencer, mon petit. Vous connaissez mon petit style. Alors c'est dans le streetwear, hein, on reste dans l'univers Rapside. Ok. Mon petit top de la semaine, c'est ça, j'aime bien. C'est frais, c'est... Je les aime, moi, celles-là. Ouais, moi aussi. Elles sont très... En ce moment, elles sont tendances. Ouais. Elles sont tendances. Bito aussi, les heures. Elles sont tendances. Flop, flop, flop. Eh, faut flop. Pas commencer le manque de respect, hein. Attention. Parce que je vais arriver sur vous bientôt. Attention. Donc bon, c'est une petite salopette, c'est frais, c'est tendance. Ouais, c'est bientôt. J'aime bien le petit style avec les chaussettes qui ressortent, c'est un petit peu à la mode, ouais. Et tout. Le petit sweat. Blanc, c'est dans des petites couleurs. Bon, c'est une fille, donc c'est rose. Ça vous attire pas peut-être, hein, mais voilà. Et mon Laurent, petit... Il est pas chaud. Oh. Et mon petit flop, là, c'est sûr que vous êtes pas chaud. Franchement. Ouais, j'avoue, elle a déconné. Parce que là, je pense... Non, c'est un homme. C'est un homme. C'est un mec. C'est ça, le pire. C'est que ah là, ouais, il d'accord. A déconné vraiment. Ah, il est parti loin. C'est-à-dire qu'il a acheté 20 jeans, il les a découpés, il en a refait un seul, tu vois.
Et avec les restes, il a fait un sac, tu vois. C'est un malade. Mais en fait, nous, on a un petit rituel en ce moment. Ça, c'est quoi, ça, dis-moi. Ça, c'est pire que la galère. Non, ça, c'est-à-dire qu'on lui a donné des bouts et puis il en a fait. Non, mais en plus, il a rajouté le. Et puis la doudoune, et puis la casquette. La casquette. C'est vraiment. Les lampes jusque. Oh, non, vraiment. C'est vraiment. Attention, c'est parti. Pardon. Oh. Attendez, problème technique. Bah ça, c'est pas grave, hein, c'est dans la continuité vu que Twitch est en train. Donc si toi aussi tu bugs. Alors après, j'avais une petite image parce que j'étais obligée d'en parler. Ouais. Je suis la mode et tout. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais Lidl a fait parler de lui dans le streetwear. Les chaussures, ouais. Lidl. C'est-à-dire que Lidl est parti dans le streetwear. Est-ce que tu vois le bail un petit peu? J'ai repris un petit post que Boba a fait. Ouais, ils ont même fait des chaussettes avec le logo, ils ont fait des babouches, ils ont fait des t-shirts, c'est-à-dire qu'ils sont allés trop loin dans le délire. Hein. Il y a quelqu'un là-bas dans leur création, là, ils se sont dit pourquoi pas, il est fou. Puis en plus, ils ont mis leur logo comme si c'était un Nike, je sais vraiment pas pour qui ils se sont pris. Vous pourriez acheter, ouais. Moi, je connais là. Ça s'appelle galérer aussi. Ah, vraiment, c'est terrible. Bon bah voilà, moi c'était ça pour mon petit flop top. Mais du coup, j'arrive un petit peu sur vous parce que je me suis un petit peu préparée. Et du coup, j'ai un petit rituel. Parce que ici, vous savez, la radio, c'est IRM Radio. Scan ta vie. Donc moi, je scanne vos looks. Donc j'ai toujours des petites lunettes, un petit accessoire. Et là, il faut faire roulement de tambour. Quand même, les lunettes, là, il faut mettre. Parce que là, elle va mieux vous voir. Histoire de mieux vous analyser, histoire de mieux vous voir. Et puis, c'est assorti avec les chaussures et tout. En fait, franchement, la petite référence, on m'a dit, vous êtes les nouveaux killers du rap game. J'ai dit, bon, je m'habille en Kill Bill et tout ça. On dit, il tue le bail et tout. Tu vois, je m'accorde et tout ça, je vous respecte un peu. Bon, ça, c'était pour la touche gentille. Maintenant, j'arrive sur vous, les gars. Bon, on va commencer à parler. Déjà, pour vous introduire, je vais reprendre une phrase, je crois que c'était de Tisco, dans le son Solo Me. Je me suis dit, là, il m'a parlé pour que je vous conseille. Je pense que c'était un petit message. Tu dis, t'es mal à dégaine. Charo, c'est Charo. Nous, pas trop la cote avec les meufs. Je me suis dit, bon, vu qu'il galère, il n'y a pas de dégaine. Et qu'il n'y a pas la cote avec les meufs. Hein, on va leur donner des petits conseils. Hein. Tisco, pourquoi tu dis ça? Non, faut pas être vexé. Non. Ah, Tisco. Redresse-toi. Ah, c'est réel. Ah, voilà. Non, ben voilà. Donc, je me suis dit, je vais les conseiller un petit peu. Je vais les aider, tout ça. Bon, déjà, j'ai scanné un peu vos looks. Toutes les semaines, hein, Stélie, tu sais, j'ai le même problème. Franchement, j'ai décidé de mettre un nom au look de tous les rappeurs qu'on reçoit. Franchement, c'est le kit du rappeur pour nul. Vous avez tous le même style, les gars. C'est plus possible. C'est-à-dire que c'est le survêt, c'est la casquette. Bon, là, ça va, il y en a qui ont un peu les bananes, mais sinon, c'est les sacoches et tout. Non, tout à l'heure, Yoro, il a dit ça s'appelle un sac à main. Un sac à main, bon. Ça, c'est son histoire. Moi, j'ai jamais vu un sac à main qu'on met sur l'épaule. Après, bon, c'est quoi? Les filles essayent de mettre des sacs à main. Non, c'est pas un sac à main, c'est un sac bandoulière avec une lanière. Un sac à main, ça se tient sur la main, tout simplement. Non, mais ça, c'est un sac à main pour homme, puisque. Oui, oui. Rattrape-toi, c'est bien. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. En tout cas. C'est pas grave. Donc, du coup. Franchement, j'ai décidé de vous donner des petits conseils et vous allez passer au kit du rappeur intermédiaire. Vous voyez un petit peu. Et ils doivent dire s'ils aiment bien ou si ouais, ça leur s'ils aiment bien. D'accord. Ou pas. Donc on va lâcher. Je sais que t'aimes bien le bonnet, hein, Tisco, mais on va un peu enlever. Bon, t'as des locks, tu peux aussi montrer. Les gars, vous pouvez aussi un peu enlever les casquettes, faites un peu des contours. Bon, je vois, il y en a, il a la teinture blonde un peu. Et ça va. Il a dit, c'est lui le plus beau. Il a avancé un peu, mais. J'avais, mais ça a poussé. Ah, mais c'est il faut refaire. Les barbeurs sont en revers, là. Ouais. C'est fini le confinement quand même. Faut se mettre à la page un petit peu, sortir un peu de vos suites, là. Hein, vous mettre un petit peu à la mode. Donc, j'ai un premier style à vous proposer pour pas trop vous bousculer dans vos habitudes, on va dire. Donc, ce serait partir sur, vas-y, allez, au lieu de partir sur les suites comme vous, partez sur un petit ensemble. Velours. Voilà, le velours, c'est une matière un petit peu plus noble. Déjà, vous upgradez un petit peu, c'est pas mal, c'est sympa. Peau de pêche. Ouais, c'est bon, on peut dire velours, peau de pêche si tu veux. Excuse-moi, hein, c'est toi l'expert de la mode ou c'est non, moi c'est pas. Attention, toi vraiment, tu parles beaucoup depuis. Ouais, mais je vais me taire alors. Attention, non, je rigole. Donc voilà, mais sinon j'ai fait un petit truc. Mais déjà, ils aiment bien ou pas? Vous aimez bien ou pas? Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Ouais, ça pourrait être tranquille. Un peu plus de couleur aussi. Parce que. Il y a quelqu'un qui se démarque. Franchement, vous êtes souvent habillé en sombre et tout ça. Mettez un peu de couleur. Franchement, en fait, je trouve que ça vous irait super bien en plus. De ouf. Moi je m'habille pas comme ça tous les jours. Ouais. Je suis en jean souvent. Ah d'accord. Allez, je bon, on va se Yoro, retrouver un petit peu. Tisco, tu pourrais toi? Tisco, il est fâché. Comme j'ai repris ses paroles, il est fâché. Ça, non. Ça dit pas?
pot de pêche. Tu veux pas? Ça, c'est pas en pot de pêche. L'autre, là, il est pas en pot de pêche. Bon, l'autre, il est pas en pot de pêche. J'ai donné deux, hein. Ouais, l'autre. Ouais, ça te va mieux. Dites-nous ce que vous en pensez, hein, vous sur Twitch, puisque que vous regardez, il faut nous dire, est-ce que vous, c'est... vous les voyez bien comme ça? Ah, j'apprécie. Voilà, ok. Sinon, j'ai sélectionné un petit truc un petit peu plus élaboré. Hein. Donc, je vous ai dit, là, c'est le kit du rappeur intermédiaire. Là, vous êtes au niveau pour les nuls. Vous êtes le basique, vous avez les joggings, les casquettes. Ouais, bon, on a vu, on connaît. Vous ne vous démarquez pas des autres. Là, on part sur un truc, on reste un peu dans le streetwear, mais on upgrade un petit peu, vous voyez ou pas? Comment ça, t'aimes pas? J'aime pas. Les jeans, j'aime pas. Mais c'est même pas un jean serré. En plus, je me suis dit, si je prends un jean, ils vont du rose, c'est serré, c'est un skinny. C'est même pas. Regarde comment ça. Vous voyez les lunettes là en bas, moi, j'aime pas du tout. Hein. T'aimes pas? Mais gars, il y a rien là dans le kit. Là, t'as rien que t'aimes là. Mais quelle paire de Vans? La paire de Vans. C'est que la paire de Vans. Ouais, ni la banane. Mon petit, je te demande pas. Hein. Rien du tout. Et le haut, le haut bleu. Le haut bleu. Ouais. Mais vous aimez pas les jeans, Haï? Si. Non. Vous mettez quand jogging? Tous les jours, c'est jogging? Non. Mais comment vous allez faire pour gérer l'ego? Parce que là, c'est l'ego du quartier que vous gérez. Mais pour avoir l'ego d'Instagram, là, il faut un petit peu upgrader. Là. Vous pouvez pas être en jogging Puma toute la journée. C'est moi, pas normal. À la cité, moi, je suis en mode clochard. Mais quand je sors dehors, je suis pas bien en mode clochard. C'est pas comme ça. Là, il a dit quand il sort, quand il sort. Bon, voilà, c'était ma petite proposition. Mais ils n'ont pas aimé, tant pis, ils ne sont pas prêts à upgrader encore. Ils ne sont pas prêts, vous n'êtes pas prêts, les gars. En tout cas, merci Belisa, on lui fait un petit big up. Merci Belisa. Bon, alors, donc, alors, je vais vous dire vraiment, là, ils ne sont pas contents, vos potes, parce que, ouais, ça bug de fou. Et ils sont vraiment déçus parce qu'ils disent... que bah, ce serait dommage parce que sinon ce serait carré et que vraiment ça bug. Donc après évidemment Donald, hein, puisqu'il est là, il a dit, crois c'est Christine Lacordula, on n'est pas sur M6. Oui. Et, si, et je suis même mieux que Christine Lacordula. Si ça te dérange, tu sautes, tu cales en l'air, c'est pareil. En tout cas, et puis il y en a qui disent, bon, elle parle mal vraiment, mais bon, c'est le but du jeu. Hein. Oh, j'espère que vous l'avez pas mal fait, hein, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler, les gars. Voilà, donc au pire, hein, si vraiment ça bug trop sur Twitch, bah, vous écoutez l'émission sur IRM, sur mon navigateur, vous mettez IRM.radio, vous entendrez que les voix. Donc, elle veut quoi? Elle virait là, vous taillez trop, sortez le son Tisco. Bon, alors, je respecte quand même le but du truc. Hein. En fait, on est là pour rigoler, les gars. Hey, calmez-vous. Hey, ici, il n'y a pas de... il faut se détendre. Ah, moi, on m'a dit, je danse trop. Toi, on a dit, toi, tu parles. Hey, les gars. Oh là là. Hey, je vous dis, là, vos potes, ils sont en train d'upgrader. Ils sont en train d'aller plus loin. Ils sont en train de devenir professionnels. Ça veut dire, en fait, vous, là, même si on est gentil, si on est gentil, nous, vous allez aller sur des trucs. Nous, on est là pour s'amuser, sérieusement. Mais vraiment... Je comprends, c'est la... de toute façon, c'est les jeunes. Voilà, on savait que voilà, ça allait tailler, machin et tout. Mais bon, voilà, j'espère que vous passez un bon moment, c'est l'essentiel. Merci. Et on est là pour ça, on est là pour, voilà, pour s'amuser, on taille un peu, voilà, on rigole entre nous. En tout cas, moi, j'ai aimé. Merci. En tout cas. Merci beaucoup. Donc, Donald, merci pour ta réflexion. Alors, qui s'en rappelle de la V160, c'est quoi ça? 160 gang. Non, je crois pas. Donald Dansueur. Tisco, vous lui avez fait quoi? Ouais, je t'aime, comment il est vénère. C'est vrai que tu as l'air très énervé. Hein. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, on continue de lire vos messages. Merci en tout cas. On est toujours sur IRM.radio, en live sur Twitch, malgré les petits bugs. Et bien sûr aussi également sur C-Direct. Et allez-y, hein, continuez à vous lâcher ici. Nous, de toute façon, on ne cache rien. On lit tous les messages. Donc voilà, ça taille, tant pis. Ça a dit, ça aime, tant mieux. Et puis voilà, surtout, vous avez l'occasion de voir votre groupe préféré. Et c'est l'essentiel. Donc voilà, moi, je pense qu'on devrait un peu remettre un peu de musique, histoire encore de se mettre dans le move. Et puis comme ça, je pourrais continuer à danser tranquille pour bien énerver YZK. Voilà. Ouais. Donc voilà. En tout cas, donc on va s'écouter. Donc, j'avais mis numéro 1. Et c'est, je sais pas, un morceau, écoutez, c'est un freestyle. C'est le freestyle. Ouais, c'est le freestyle. Faut l'avancer, tu veux? Donc voilà. Et ensuite, on recevra O'Brien. Et alors là, pour ceux qui ont dit... Alors là, vous avez vu, hein, il y avait Carter. Il y avait Belisa. Alors, O'Brien. Il y avait Eleonore qui nous a fait un truc de ouf. Mais O'Brien, vous allez mourir, les gars. Wouh! Bang! IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. Ah,
C'est IRM Radio. C'est IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. IRM Radio. C'est IRM. Ok. Force à mes gars, force à mes refs, fuck tous les faux potes. Ceux qui m'agacent, c'est de mettre les gaz quand ça critique un spot. Et comme ils galèrent, jamais ils nous lâcheront les baskets. Te faire ses sous en scratch, je te cache pas, c'est devenu casse-tête. Du coup, évite, Léon m'a dit que le rabatteur va t'indiquer. De taf, tu kiffes, le produit est bien pratiqué. Demi-tarif comme un ticket. Zéro soleil quand ça vélo la bécane. Mais poursuivez pas les bécoles. Comment dilemme en détail et détonne ou être assidu à l'école. Je fais du cash après les cours, je me pose en bas de la tour. Arsenal est pavé, la brigade a pris cher. Je remets ma trompe d'éléphant, bien profond. Casse ou trop chopé, un ulcère, c'est comme ça tous les jours. Moment en casse à tour, j'irai son lacet dans la casse, ça fume okay. Ça fait bosser sur la puce, des beurrettes et bonis, c'est ce que je recherche comme critère. T'as même pas de sous, c'est des bobards. Des bars, revenus pas très net, on déclare pas. J'investis des hectares, je veux des terres à Dakar. Le gamos à Neymar. Hey. Robelot, il se fait tard, on chicote le matin à 10h, hey. Pas de retard. La oh, Pidgey, ça dit comme mon gars. Hey. Y'a du Nero si tu veux du Taga. Y'a du beat si tu joues genre Lady Gaga. Prépare sauter l'eau si tu veux Corona. Y'a le succès qui m'appelle en haut, je leur laisse de l'avant. J'ai boule en hélico. Dans cette vue, je veux tout arracher, je vais faire monter ma femme. Dans un bon petit Merco. Euro dans l'auto, on prend plus le métro. Toujours à la fiche sur le rétro. On monte chez toi si t'es pas réglo. Si t'as pas respecté les tarots. On veut du clash, on en veut plus. Si tu veux quelque chose, appelle sur la sepu. On se casse parce que ici ça pue. Si tu vois le bleu, ne fais pas la topu. IRM Radio, 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 c'est chaud. IRM, tu connais. Sur IRM Radio. RSS, tu connais IRM Radio. Ok. Fais monter la bête. Radio Marty, restez à l'affût. Allez, RSS, je suis pas là. En tout cas, bang bang, on est toujours sur Rapside avec MS13. Bang. Continuez à envoyer vos messages. Bang bang sur Twitch en direct. On est là en direct également sur IRM.radio et toujours sur C direct. Bang 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 bang. Comment ça va les gars? Ça va, tranquille. Tu connais, tu connais. Comme d'hab. Ça va. Tonton, tu parles pas beaucoup, hein? Si. Ah, tonton, là, c'est si, moi, donc toi, t'es là juste pour. Non, moi, je suis là. Vous êtes timide en vrai, hein? Non, moi, je suis pas timide. Vous êtes calme, hein? Moi, je pensais les mecs. Calme, mais. Vous savez quoi, moi, quand je fais venir des jeunes comme vous, je dis putain, il y aura une énergie de fou. Moi, je vois, vous êtes trop calme. Non, ah, c'est peut-être pour ça les gens, ils me trouvent bizarre. Parce que nous, ici, on est des excités. Donc, comme vous êtes calme. Peut-être c'est pour ça qu'ils me trouvent bizarre. Non, on n'est pas timide. On n'est pas timide. On n'est pas calme. En tout cas. Les gens, ça, de toute façon, on n'est pas calme. En tout cas, voilà. En tout cas, ça continue de chatter sur Twitch. Et puis, voilà, bon, bah, on répond à ce qu'on a dit. Ils sont là. Propre, le survêt Tisco, voilà, ils ont dit, bon voilà, il y a vraiment beaucoup de messages, donc il y en a qui disent qu'il faut que vous disiez vos blazes, la meuf elle a mis son pseudo Fortnite, enfin ils se gazent entre eux aussi je pense, ils sont tous en train de se changer galère, entre eux, voilà, donc bah merci en tout cas, hein, ça, moi, vit, je leur fais une petite dédicace, hein, YKZ, SKN Prod, Jumelunia, Donald Trump, jusqu'à t'as dit Donald Trump, vraiment, en lui, tout on cas, entend beaucoup, lui. Vraiment. Bah c'est bien, ça veut dire que ce sont des gens qui réagissent et tout. Donc voilà, nous, bienvenue dans l'émission. C'est bien, c'est et continuez bien. À être vous-même, hein, parlez et puis dites ce que vous avez à dire. Ici, on est antenne libre, on se vexe de rien. Voilà, nous ici, on ne se vexe de rien. En tout cas, demain, quand on part, vous êtes plus là et puis c'est tout. Comment ça va, les gars? Ça va bien, on non, attend. Non, fait, non, on non, attend. Non, faites-moi un ça va, genre, ça va, quoi. Est-ce ça que va, ça va, on les est là, gars on est là, on est là, on est là. On attend O'Brien, on attend O'Brien. Voilà, en tout cas, O'Brien, elle s'est déjà mise en place. En tout cas, donc, je vais aller essayer de vous expliquer. En tout cas, aujourd'hui, on va voir vos comment on appelle ça, vos auditeurs, vos narchéchés. C'est ça, c'est les narchés. Narchéchés gang. Et bien, en tout cas, ils vont voir aujourd'hui si... Vous portez vos couilles, comme on dit. Oh lolo, portez couilles, portez gros, c'est bon. Salut O'Braya, 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 en tout cas, M'Balaé.
Vous avez pas fait ça pour Carter. Vous avez pas fait ça. Ça m'a pété. Non, c'est pété. Vrai, Carter, on n'a pas fait. Mais Carter, c'est vrai. La prochaine fois. Salut, Obraya, comment tu vas? Ça va être bien, toi? Ouais, tranquille. Alors, je sais pas, je t'ai vu préparer plein de trucs tout à l'heure. Là. Ah, de fou, j'ai même pas fini, de fou. Mais ça m'a l'air bien lourd. Ça va être chaud. Ça va, les gars, ou quoi? Ça va. Plus pour longtemps. Ah ouais, ça rentre comme ça. Ah, Blenny, ça va péter. Péter ou pas? Alors, du coup, moi, je viens avec un petit jeu. Laisse. Ah, gars, faut pas regarder. Gars, doucement. Doucement. Bon. Mais la Gaule, elle veut nous piéger. Alors. Mon jeu, il s'appelle bonbonnière fatale. Donc, quand je dis bonbonnière, vous dites fatale. Bonbonnière fatalisée. Bonbonnière fatale. Ok, très bien. Qui a dit fatalisée? Il galère. Débarque. En tout cas. Donc, bah, coup, je vais vous poser des questions. Ok. Mmh. Si vous voulez pas répondre, rassurez-vous, vous avez un joker. Ah, c'est cool. Ah, un joker. Vous avez un joker. En fait, à chaque question, vous pouvez piocher le joker. Ok. Ah ouais, okay. Vas-y. Mais c'est nul. Et il y a des dames et des rois et tout. Oui, mais si vous piochez le joker, on peut plus l'utiliser. Après, vous pouvez plus l'utiliser. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça. C'est ça qui est bon. Si, bon, si ils ont le courage, je peux pas l'utiliser. Vous êtes prêts? Oui. Maintenant ou... Si on va voir pour ceux qui vont pas vouloir répondre. Qui pioche en premier? Imagine, c'est une bête. Mais moi, je pioche, moi. Donne-moi la question, s'il te plaît. Merci. Non, mais oh. Moi, j'ai toujours porté mes couilles, les gars. Ok. Appelle un membre de ta famille et dis-lui que tu l'aimes. On commence tranquille avec du love, tu vois. C'est quoi ça? Mais faut appeler maman. Voilà, ouais. Appelle quelqu'un en direct et tu lui dis que tu l'aimes. Ou bien, tu sais, joker, c'est comme tu veux. Fais, wesh. Fais, on fait tout aujourd'hui. Alors? On fait tout, mon ami. Tu peux dire joker, hein. Joker, ouais. Okay, vas-y, pioche le joker. Il faut que t'ailles le chercher. Quand je dis bonbonnière, c'est fatal. Bonbonnière, fatal. On a dit fatal. On a dit fatal. Mais moi, j'appelle. Pioche. Prends ton joker. Il est dedans. La carte est dedans. C'est trop tard. T'as je dit joker. Je sais pas si on peut faire un zoom. C'est quoi ça? Elle a tué le game. Il dit c'est la terreur. Il a peur de ça. J'ai jamais dit je suis la terreur. Alors, soit tu prends. Le joker qui est là-dedans. Soit je fais le gage d'avant. Ouais, ouais. Tu fais quoi? Et le pire, c'est que j'ai dit, j'en suis sûr, il y a des bêtes. Tout à l'heure, j'ai dit, attends, elle mange. Elles vont rien faire. La carte, elle est juste là. Où ça? Elle est là. Le joker, il est là. Mélange. Le joker, il est là. Il est bien en bas en plus. Vas-y. Disco. Tu mets ta main doucement, il faut pas rire. J'appelle. Au revoir mon téléphone. Vas-y, il a dit il va appeler. Ok. C'est quel genre de joker ça? Oui, on est gentil ou pas? On laisse appeler ou pas? On laisse appeler, c'est pas grave. Mais parce que toi, ça vient du Cameroun, ça. Ça. Donc ça fait une pour toi. Ça, c'est bon. Tu t'appelles, tu me le parles. Faut appeler maman. Elle dit allô. Rapproche-toi. Je suis en train de dormir. Allô, Tesco. Faut mettre le haut-parleur. J'ai oublié son nom. L'enfant de quelqu'un. Faut pas appeler Maëlys, hein. Oh, Yoro. Non, on le connaît. On va rigoler. Mets le haut-parleur. Allô. Rapproche-le là. Rapproche-le là. Juste là. Voilà. Tu es où? Hein? Depuis que tu as dit que tu dois rentrer. Tu vas pas rentrer. Je pars, tu es où? Laisse-moi tranquille, Yoro. Elle va pas répondre. Bon, si elle répond pas, c'est pas de sa poche. Laisse-moi, Yoro. Ah, si elle répond pas, c'est pas mon souci, hein. On a dit un membre de ta famille, on n'a pas dit ta mère. Hein. Bon, c'est la messagerie. Ah, un membre de ma famille en plus. Mm. Ah, parce que là, tu allais appeler qui? Non, ma mère, mais. Tu appelles ta soeur. Ok. Bon, bah. Tu es sauvé. Tu es sauvé parce que c'est de la messagerie. En tout cas, à toi, tonton. Donne, s'il te plaît. Merci. Non, moi, je peux pas toucher ça. J'ai juré, c'est pas un joker, ça. Qu'est-ce que tu as fait le plus illégal dans ta vie? Tu réponds, joker? Tu réponds, joker? Plus illégal. Faut dire, hein? Faut dire en direct. Illégal auprès de la loi ou auprès de Dieu? Les deux. On est deux. Donne un des deux. Je sais pas. Ben, joker si tu mais sais pas. Mon gars, là, si faut savoir. Tu sais pas, là, faut c'est répondre joker. Quand même. Oh. On va le mettre vers lui. Hein. On va le mettre vers lui. Je pense faut le bruit. Faut le bruit de la bonbonnière. Plus illégal. Ah, ça bouge. Tu réponds à la question, s'il te plaît? Ouais, attends, je réponds. Ouais, réponds. Sinon, c'est tu pioches. Comme on n'a pas toute l'heure non plus, t'as vu? 10,
9. Fais vite, hein. C'est légal. 8. Dans où? Dans la justice. 7. Dans la... 6. 5. Tu vas mettre ta main. 4. J'ai giflé Yoro. 3. 2. Ah, c'est faux. 1. Allez, vas-y, sois courageux. Tu as pas dit, tu as non, mis. Non, faut pas verser. Non, faut pas se couper, faut plonger ta main. C'est ta main qu'il faut plonger, pardon, mon frère. Pardon. On va te fusiller les doigts. Non, faut pas faire sauter. Allez, les gars, allez-y. Mais ça pue. On t'a pas dit de manger, on t'a dit de piocher le joker qui est dedans. Est-ce qu'il y a un produit après? Ouais, t'es un homme, t'es un homme. Doucement, tu fais doucement, t'en mets pas partout. Moi, j'en fais tous les jours, ça. Oh. Vas-y, chope la carte, elle est tout au fond. C'est ça, il le fait, il le fait. Vous assistez à un truc de fou en direct. Il ose se confronter à la bonbonnière fatale. Il a osé, il est là. C'est bon ça. Ok, faut la refaire. Ouais. Tu peux Bennett, vous je peux la récup ou pas? Un verre chez vous. Le joker aussi. Super. En tout cas, bravo tonton Bang Bang. Tiens, si derrière toi. Je comprends même pourquoi on peut utiliser plusieurs fois le joker. Tu comprends? C'est ça, tu comprends. À ton tour. Voilà, à ton tour. Mais qu'est-ce que vous foutez avec des verres? C'est juste pour vous. Ici, c'est rap size. Ça, c'est galéré. C'est juste pour vous. Non, Obraya, toi, t'es la plus méchante. On t'a dit. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu encore. C'est quoi ça? Vas-y. C'est une phase. En plus, ça tombe bien sur toi. Hein. Franchement, tout à l'heure, t'as dit ouais, si j'ai ça, j'ai ça. Je fais ça à ma mère, ma femme, tout ça. Mais c'est parti. On te propose 3 millions pour poser en string. Tu acceptes ou Joker? Jamais. Joker dans ce cas. Ah, mais quoi? Non, mais il a répondu. Il a dit, n'accepte pas. Joker. T'acceptes ou c'est un Joker? Mais jamais. Ok. Mais non, il a répondu. Il a dit. C'est ça, t'acceptes. Il a dit, non. Il y a un point d'interrogation. Non, c'est ça, t'acceptes. Tu acceptes. C'est ça. Tonton, tu as compris. Soit tu dois dire. C'est bon, Joker. Soit tu dois dire, j'accepte. Soit tu dis Joker. Ok. Non. La carte, elle est là. La carte, elle est là. Ouais. Il a plus. On a le droit de snapper. Bien sûr. Juste ça, ouais. Vous avez le droit de snapper. Allez-y. Mais wesh, la carte, elle est là. Attends, donne-moi l'honneur du bruit. Méchant. Fais ce doucement. Non, je veux pas. Donc tu poses pour 3 millions, tu poses en string, dis-le sur IRM Radio. Dis-le bien. Annonce-toi. Annonce-toi. Allez. Annonce-toi. Au bac, on est standard. Non, dis-le pour 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. En plus, elle est juste là, toi. Là, franchement, non, là, c'est trop gentil. Faut pas en mettre partout, des. Ouais, je peux pas. Regarde, t'as juste à faire comme ça. Ouais, franchement, là, c'est pas le défi de tonton là. C'est pas le défi de tonton. Doucement. Bah, c'est bien au fond. Faut faire doucement. Mais fais doucement. Mais non. Non, Brian, t'as dit tête. Doucement, on se calme. Wow, c'est bon. Ça passe. En tout cas, ça passe. Ok, donc on aura compris, lui proposer pas 3 millions pour poser en stream. C'est bon, ok. Et t'as vu sa fierté, comment ouais, il a été là. Elle a été touchée. T'as prouvé. La suite, c'était même pas mélangé. C'est à ton tour. Non, c'est l'autre. On peut mélanger, s'il vous plaît. Oui, on va mélanger. Ah, pardon. On va mélanger, s'il vous plaît. Ah, non, pour quelqu'un de bien mélanger. Alors, comme vous voyez, on n'est pas dans Koh-Lanta, on est toujours sur IRM.radio, en live sur Twitch et également sur C-Direct. Mais aujourd'hui, on a upgradé la... Non, vraiment, en vrai, aujourd'hui, là, tu es allé très loin. La bonbonnière, elle est fatale ou pas? En tout cas. Quand je dis bonbonnière, fatale. Bonbonnière, vous dormez ou quoi, les gars? Bonbonnière, fatale. Bonbonnière, fatale. Très bien. Fatalisé. Couches-tu le premier soir? Mais Réo, c'est rien, réponds gros. Non. C'est oui ou non? Non. Ok. Non, mais non, il a dit arrête aussi. Elle va absolument. Je veux des mains. Je suis pas dans ça, moi. Allez, c'est le dernier tour, on se la fait rapide. Allez, hop. Mais lui, là, il a des trucs sur les côtés. Il va dire que c'est rapide. Encore, mais non, c'est-à-dire qu'il est super. C'est pour ça que j'ai mis des trucs sur le côté, pour que ça t'attire, tu es tombé dedans. Bon, mise en situation. Ok? Vous êtes un groupe, vous êtes soudés ou pas? Ouais. C'est ce qu'on va voir. Choisissez quelqu'un qui doit se faire grailler par un lion, vous choisissez qui? Entre vous.
Alors la question c'est, voilà, il doit choisir qui va se faire grave par Lulu. Bito, oh. Bito. Bito, ouais. Donc toi tu balances. Vous voyez comment ils sont méchants. Vous comment ils sont méchants. Même pas ils se sont dit, allez viens on va faire un joker, on va sauver un des potes. Non, ils balancent direct. Donc toi tu balances. Ah, faut que c'est... Mais non, personne alors. Prends. Voilà. Ouais, allez, Tisco. Sauve-le. Oh, mais Bito, je te mets chez le lion. Non, mélange, mélange encore. Va-t-il le sauver ou pas? Je le sauve pas. En tout cas, vraiment, Braya, c'était lourd aujourd'hui. Bang, bang, gang, gang. Merci beaucoup. En tout cas, bravo. Donc, bah, dites-nous, alors, franchement, je sais, il y en a plein qui disent dommage parce que ça bug, tout bug, ça surbug, ils ont même dit. Donc, vraiment... on est désolé. Vous pouvez revoir de toute façon l'émission sur YouTube. Et puis vendredi aussi, ça repasse sur ses directs. Donc, bon, voilà, on va essayer de trouver vraiment un moyen parce que de toute façon, on est en train de travailler sur là-dessus. Mais voilà, je sais. Sinon, vous écoutez sur. C'est pas pareil sans les images parce que du coup, si on est sur Twitch, c'est pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, vraiment, on est désolé. On comprend pas pourquoi. Donc voilà, alors l'émission elle va bientôt toucher à sa fin. Ça va les mecs, vous avez kiffé ou kiffé? Moi, vous bien. Moi j'aime bien l'ambiance. C'est bien l'ambiance. En tout cas, voilà, hein, YKZ. Ici il y a l'ambiance, c'est pour ça on danse, c'est pour ça on taille, c'est pour ça on est là pour rigoler. En tout cas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme je vous l'ai dit, hein, pour tous nos auditeurs de C-Direct, hein, que vous savez qu'on est sur C-Direct aussi, diffusé sur C-Direct. C-Direct, c'est la première chaîne mondiale des deux Congo. Elle est diffusée dans 38 pays d'Afrique francophone. Donc voilà, et du coup, depuis que l'émission a commencé, qu'elle est diffusée, chaque semaine je reçois des musiques de personnes, bah, comme ils ne peuvent pas venir ici en radio, donc je sélectionne une de leurs musiques. Et le petit rituel, c'est qu'à chaque fois que j'écoute une de leurs musiques, en fait je demande à tout le monde de se lever, à toute mon équipe de venir, et pour qu'on écoute le son. Donc là c'est Sam Samurai et ça s'appelle Sapo Gang. Donc je veux qu'on danse avec ces sapologies, Sapo Gang, d'accord? Donc voilà, Sam Samurai, voilà, j'ai sélectionné ta chanson cette semaine et on va foutre le bordel avec ton son Sapo Gang. Et ensuite, à la fin, vous nous referez la bête. Vous nous referez pour finir. Fais monter la bête. L'exclu. Comme ça va déchirer. Fais monter la bête. C'était lourd. Sapo Gang. Ça s'appelle Sam Samurai. Aïe, bang, bang. En tout cas. Mon sac de Paris. À chaque fois, tout. Je ne connais pas le Sam Samurai. Ne connais pas, c'est pour l'affaire jurable. Je veux 1m80. Rien n'est pas que la basse. Je vais vous envoyer vos productions sur C-Direct. Je la monnaie à Paris. S, manifesto, Gaïa avec Atouka, Kouji, Fosa, Kana, Bébé, Mbé, Zanaka, les allures ménagées, Vola, Kouto, Tchiko, Mavula, Osamu, Noam, Boni, Kouboula, Nanchingu, Nibata, Vula, Binibi, Mbé, Ramsès, Bonito, t'as la doua pièce, la cravate, t'as l'âme gilette, les allures anti-complexes, la liste est clôturée, tes frères sont pas rachetés, manque le bras démonté, quelqu'un de travaux forcés, t'aimant le bon gars à l'image, derrière la caméra, mon gars, ma pluga, t'aimant le nom. Je à l'image, je juste du truc, ça va tout stra. Ton look, ça foisse. Ta mise, ça foisse. Gonji, tu as affalé. Je boule, ça foisse. Sapo Gang, Sapo Gang. 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 Triple sommet à la jadance. Triple sommet à la jadance. Triple sommet à la jadance. Sapo Gang, Sapo Gang. 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 John Foster, le Jerryan, vas-y Foster, Kunchi, moi les golfs, appliqué, pas de mexicain. Tiens-moi le Yoji à ma moto, appliqué sur mon corps, à sauper la moto. Tiens-moi le Yoji à ma moto, appliqué sur mon corps, à sauper la moto. Sapo Gang, 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 Sapo Gang. Ça s'appelle Sam Samurai, Sapo Gang, 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 Sap
marché. De la moda. Asseyez-vous les gars, merci, merci les tous, merci. Ok, bon, apparemment. On a vu hier Eric Kanga, Peter Gombe, Charlemagne Mayassi, sans oublier Michel Akouba, les femmes battantes, Monsieur Louis de la Norbert. Ok, donc c'était Sam Samouraï, Sapo Gang. Vous en avez pensé quoi, les gars? Super. C'est lourd, hein? Ça bouge. Sapo Gang, Sapo Gang. Sapo Gang. Ouais, Sam Samouraï, là, la bonne samouraï piquante. Ah, c'est ça. En tout cas, toi, t'as faim. Hein. Depuis ouais, là, t'as faim. Parle que de Tchep depuis tout à l'heure. Mon livreur de Tchep, je l'ai laissé devant la porte, là. C'est pas moi, j'avais une dernière question, en fait. Enfin, pas une dernière question, dans mes... par rapport à toi, Tisco. C'est vrai que t'es beaucoup médiatisé. Par rapport suivi. Aux autres suivis, tu as plus de 80 000 abonnés sur ton Insta. Est-ce que pour vous, c'est compliqué quand il y a une personne comme ça qui sort un peu plus du lot que les autres du groupe? Est-ce que ça peut poser un problème ou est-ce que pour vous, vous le saviez en écoutant, vous savez que de toute façon, est-ce que vous trouvez que vous, il a quelque chose en plus que vous? Est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit plus... Moi, je dirais... Il a pas la dalle, mais il sort tout le temps des freestyles. Il alimente ses réseaux. Son profil. Voilà. C'est ça. D'accord. Et du coup, il est toujours actif. Ouais, il est actif. Mais au niveau du rap, vous pensez que. Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent ouais, il est plus fort, c'est lui le plus fort, il a les plus belles phases. Comment ça se passe? Comment on gère ça en groupe? Dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui se démarque. D'accord. Donc vous en êtes conscient et vous l'acceptez. Enfin, vous n'êtes pas. Bah ouais, bah non. Mon pote. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est grâce à lui que vous êtes là? Non, pas du tout. C'est bien. Parce que on est connu sous le nom des S13, on est pas connu sous le nom de Tisco. Mais dans tous les cas, si ça nous aurait posé un problème, ça serait vu puisque depuis le début, c'est notre pote, on tire vers le haut. Mm. Bah voilà, ça se voit qu'on le prend pas mal. Je sais pas comment dire, en gros, chacun a son temps. Lui, il a fait ça dès le début. Peut-être que nous, on n'était pas prêts à faire, faire des choses comme lui. Voilà. D'accord. Ça veut dire que lui, dès le début, il a fait. Par exemple, il a eu des abonnés, tout ça, parce qu'il a fait certaines choses. Ben, nous, peut-être qu'on pouvait pas faire. Par exemple, moi, au début, on disait, ouais, Yoro, il est nul, tout ça, nanana. Donc, ça veut dire, c'était dur de sortir un freestyle comme ça. D'accord, oui. Je sais pas si parce tu vois que ce que je veux dire. Parce que les critiques, voilà. Forcément, ça ne donnait pas envie d'aller. Voilà, ça dépend. Et toi, tonton, du chacun coup. Son temps. Ah, moi, les critiques. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous. Toi, t'es là, tu critiques. On critique pas, tonton. On critique pas? Oh, moi, on critique pas, moi. Qui a osé? Qui ose? Vraiment, quand on te voit, qui peut oser, hein, Carter? Qui peut oser, franchement? Je sais pas, peut-être toi, t'avais encore des petites questions à leur poser, Carter? Non, c'est plus la rubrique. Ça y est. Non, j'avais juste une petite question pour vous. C'est vous voyez où dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais. Je vois très loin. Ça veut rien dire. Bien sûr qu'on se voit loin. En tout cas, niveau musical. Ah, musical? Ouais. Si on continue à bosser comme ça. Déjà, moi, dans 10 ans, je me vois. Avec la dalle. Si on continue à bosser comme ça avec la dalle, j'espère que ça va payer. Moi, je trouve que, honnêtement, vous avez tout du talent. Alors, Tisco, moi, c'est vrai que j'ai connu le groupe par rapport à lui, parce que c'est vrai que c'est lui qui est plus mis peut-être en avant. Pas forcément parce que c'est voulu, mais peut-être parce que c'est vrai qu'il se met plus en avant. Mais je trouve que vous faites vraiment un beau groupe, une belle cohésion. Voilà, chacun a son truc à apporter. Et franchement, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, on vous encourage. Ici, vous êtes chez vous. Si vous avez envie de revenir, dès que vous avez un morceau, un clip, surtout l'album, j'espère que vous viendrez nous voir en exclusivité pour l'album. C'est la première radio. On ne va pas oublier. Nous aussi, on ne va pas vous oublier. Surtout, on ne va pas oublier les commentaires. N'est-ce pas? En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Hein. On va finir avec un super freestyle. On a encore 5 bonnes minutes et tout. Mais Bito, toi, en fait, ta place dans ce groupe, c'est laquelle? Tu te donnes quoi comme place dans ce groupe? T'estimes que c'est quoi ton rôle dans ce groupe? Parce que t'as pas beaucoup parlé, hein. Il y en a, j'ai marqué. Bito, il fait le timide. Je pensais que c'était Tisco qui allait plus parler. Et en fait, c'est Yoro qui. Ouais. Donc c'est vrai que vous avez tous un rôle. On dirait que c'est vraiment Yoro qui est là pour parler, s'exprimer. Toi, tu trouves qu'est-ce que t'apportes de plus à ce groupe? Franchement, je peux pas répondre. Je sais pas.
Mais quand tu t'es lancé dedans, tu t'es dit, ouais, moi, je me vois bien à quelle place. Il apporte son rap, ton c'est ton rap. Est-ce qu'en dehors, de penser, t'es quelqu'un qui canalise le groupe. Voilà, qui canalise les esprits. Enfin, voilà, toi, t'as quel rôle dans ce groupe? Pas forcément au niveau du rap. Il est là pour faire rigoler les gens. Mais nous, on n'a pas vu. Mais il veut pas nous faire rigoler, nous. C'est pour ça. En fait, lui, il fait rire les gens, c'est ça? Lui, quand il est avec vous, vous êtes obligé de rigoler. Lui, quand on voit sa tête, on rigole. D'accord. Et du coup, toi, tonton, c'est quoi ta place? De frapper les gens. Non, là, de frapper, non, c'est vrai? Non, moi aussi, j'aime bien rigoler. J'aime bien faire chier. Lui, si vous êtes avec lui, là, vous passez 2 heures avec lui. Même pas 30 minutes, vous n'arrêtez que de rigoler. D'accord. Lui et lui, là, c'est les deux comiques. Et toi? C'est quoi ta place dans ce groupe? Lui! Il a dit tout à l'heure, c'est le beau gosse, c'est ça? Non, c'est pas moi. Hein, moi, je suis là juste pour faire le beau, après, c'est fini. Hein. Et toi, Tisco? Moi, j'aime bien quand c'est sérieux, moi. Ça va, Michel? C'est vrai que t'es sérieux. Chiba. Non, après, quand on est dans la musique, on reste sérieux. Ouais, non. Mais en dehors, là, on parle en dehors de la musique, là, on parle pas dans la musique. Ouais? Ah, donc, en dehors de la musique, t'es sérieux? La musique. Bah oui. Oui, même en dehors, c'est quoi? Qu'est-ce que t'apportes à l'équipe? Je sais pas. En dehors de la musique. Les embrouilles. Ah, non. Ta grinta. Je rapporte beaucoup de choses. Bon, alors, est-ce que moi, je peux vous demander juste un petit service? Comment ça? Ah, non, rien. Il faut vous régler tout ça après, pardon. Hein. Bon, moi, j'aimerais juste que vous me fassiez un petit kiff parce que je lui ai promis. Est-ce que vous pourriez faire une dédicace vraiment là à Aaron, lui dire voilà, bang bang. Force à Aaron, la force à toi. Dédicace à Aaron et travaille bien à l'école. Dédicace à Aaron, mon petit neveu. T'inquiète, tonton, il est là. T'as vu, malin, tes tontons, c'est MS13. Attention. En tout cas, merci. Bito, une petite dédicace, non? Dédicace à Aaron, force à toi, on est ensemble. Voilà, ton. Oh, moi aussi, j'ai dit. T'as déjà dit. Aaron, on est ensemble, mon gars. C'est ça. Comme il a dit, fais pas de bêtises à l'école. Sinon... En tout cas, alors on va... moi, j'ai beaucoup aimé l'exclu. Hein, t'as dit quoi? Non. C'est ouf. Donc, on va s'écouter. Fais monter la bête. Vu que c'est l'exclu, je vous remercie. Vraiment, il sort là dans la semaine. La semaine prochaine. Donc, c'est une exclusivité pour nous. Vraiment, les gars, j'aimerais que toute l'équipe vienne, du coup. Et là, il n'y avait que des exclus. Hein. Ouais, bah oui, mais bon, nous, on nous a dit l'exclu, c'est fait monter la bête parce que ça va sortir. Ouais, donc, si c'est que des exclus, bah franchement, c'est encore mieux. C'est bang, bang, gang, gang. Donc, je pense que pour la fin, moi, j'aurais bien aimé qu'on écoute le son, tout ce général, mais comme vous allez chanter par-dessus, bah du coup, voilà. Mais je vais demander à mon équipe de me rejoindre, tous ceux qui étaient avec moi. Alors, Éléonore, bang, bang, gang, gang. Vous applaudissez, non? Éléonore Carter, bien sûr. Oh, Brian! Et sa bonbonnière, et puis Belisa. Et alors, on dit aussi big up à l'équipe qui était là. Hein. C'est comment il s'appelle? Ouais, je venais. Il va sortir un son là, petit cœur. Voyez-le là, c'est le Molière du groupe. D'accord. Quand il y a une faute d'orthographe. Et le manager, il est où? Il est où le manager? Il vient pour le final? Mais le manager. Du coup, je pense qu'on va. C'est le producteur, c'est pas le manager. Lui, c'est le deuxième tonton, lui, du groupe. Du coup, Richard? En fait, je voulais qu'on l'écoute là, puisqu'il ne vaut pas la chanter, c'est juste pour écouter. Du coup, tout le monde peut écouter et puis on fait le final. Ils ne vont pas... Mais vous n'avez pas demandé c'est quoi le rôle? Bah oui, parce que c'est l'interview, c'est votre interview en fait. on sait c'est qui, c'est le producteur. Hein, c'est Yo, voilà. En tout cas, on était avec MS13 ce soir. Mais j'ai une préférence pour le papier. Ils donnent leur coup pour du buzz et des catins. Un pas travers, crois-moi qu'on va pas trader. C'est sous patent que ça guette. Si ça vient à pas de sa méculta, départemental, c'est pas douteux. Il se faut tourner plus que Chiquita. On est dans le ghetto, notre avenir est gâté. Pirate de la ville, on te mène en bateau. Sonic est gainé comme Babi Konaté. Comme les moros d'Abidjan, Bamako. On s'arrange au tarot. Dis-moi ce qui t'arrange, on mène une vie de riche. Et toi, ça te dérange? Dis-moi s'il y a des luches, direct on te déloge. Plus le temps pour des conneries, mon équipe fait le ménage. L'ancien m'a dit avant de me lancer, y'aura des jaloux, mais bon, faut pas lâcher. C'est de la purée qu'on voit Tisco lâche. Désolé, mais moi je ne peux pas les mâcher. Narcissé. C'est de talent que j'ai un peu éméché. Parce que l'arcola, j'ai jamais touché. Fais ça et part en marin. C'est des lara lara. Elle croyait que c'était marin. Je lui laisse juste lui mettre dans le. Je suis avec Bélo, Loïc
faut qu'ils sont brunis. J'oublie pas le feu au doux ami. On va pas te lâcher, direct ça tisse sans les machins. Si t'es sous, tu en dois à moi. J'ai du béné à faire, ce n'est pas de ma faute. Si je te réponds pas, c'est que j'ai du taf à faire. J'entends que t'es carré, bonne mentalité. Nous deux, on va parler affaire. On a les coraux, ça va le faire. Tu sais très bien, chez nous, pas besoin de caractère. Celui qui veut tester le karaté goûtera le crochet sur ma mère, il finit à terre. Chez nous, on reste pisse. Mais faut pas toucher notre Alice. Abello, Amidou, si tu persistes. Les faux rappeurs, j'vous mets en bas de la liste. Vraiment valide. Comment qu'à côté c'est bisauté. Comment est-ce que mon gars ça qu'a marché. Ma djinn la Guadeloupe a frotté. Mais bête à qui les keufs tours. Majeur à tous les capteurs. Raptor bécané les stores cous. Ça les braque en hit dans le secteur. Mais bête à qui les keufs tours. Majeur à tous les capteurs. Raptor bécané les stores cous. Ça les braque en hit dans le secteur. Fais monter la bête. Fais monter la bête.